C'est qui est là? Bonjour. Ah, on n'est que toi. Rivka, tu arrives à ouvrir ton micro? Voilà. Tu arrives à parler là? Rivka, tu m'entends? Normalement, tu devrais gérer activer les micros. Parce que c'est très important qu'aujourd'hui tout le monde puisse parler. Ah, je te vois déjà. Essaye d'activer ton micro. Voilà, micro vidéo. Voilà, je t'entends. Ah, Super. Bokerto. Bokerto, Manishma. Maintenant, j'entends, tout à l'heure, j'entendais pas. Bien parlé, non, tout à l'heure, je ne pouvais pas parler. Boker Tov. Boker Tov. Je t'ai écouté dans Live Badout l'autre jour. Tu as super bien parlé. Tu m'as aimé. Tu vois? Non, tu as parlé dans un Zoom avec Natania quand elles ont fait Live Badout la dernière fois. J'ai oublié la date. Tous les soirs, je regarde les Zooms. Alors, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu. Oui, c'était dimanche. J'étais, mais heureusement de l'écoute, ça, c'est la première fois que je parlais. Oui, j'ai vu, mais tu as très bien parlé. Tu nous as touchés. Mehmet, tu nous as touchés. Trop beau. Kola Kavod. Kola Kavod. Et avec discrétion et pudeur, mais tu as dit des choses très fortes. Ça a renforcé. Baruch HaShem. Kola Kavod. Arbenachat. Voilà. Amen. Alors, Amen. On attend les autres fidèles au poste, là, qui ne sont pas encore là. On va voir. Il a ouvert la ligne, Léa? Oui, 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 je crois que oui, puisque voilà, on a pu rentrer. Ah oui, tant mieux, tant mieux. Bon, alors, j'essaie juste de faire quelque chose, mais je n'y arrive pas. Alors, j'essaye quelque chose. C'est dommage, c'est déjà enregistré, alors. Bon, je voulais mettre une photo, Je voulais mettre une vidéo du rabbi, mais malheureusement, je ne connais pas la technique. Vous êtes parti là? Je ne vous entends plus. Coucou. On est là, on est là. Ah bon. Pourquoi ça ne marche pas? Ça m'énerve. Il faudrait qu'on prenne des cours, je crois, comment utiliser tous ces trucs-là. Je ne sais pas, j'arrive pas. J'ai beau essayer tout, mais ça ne marche pas. J'ai beau essayer de me connecter, ça ne marche pas. C'est pas gentil, ça. De quoi? Ben, je voulais mettre un film, une vidéo du Rabbi, parce que voilà, l'enregistrement commence, c'est dommage. Ah, ça serait bien, vas-y, vas-y. Ben, vas-y, 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 toi, je te laisse là. Pardon. Je ne sais pas combien de temps que j'essaye, je n'arrive pas. Je n'ai pas la science infuse, je suis désolée. Alors, moi, j'approche même pas, je comprends rien. Bon, alors, on fait quoi là? Faut attendre les dames. Hein? On attend un petit peu, oui, là, quand même, on n'est que 5, ça va pas, ça. Okay, je continue à chercher mon... Peut-être vous faites le télim de la rabbanie pendant que j'essaye de chercher mon...
Ouais. Et Dakar, je sais pas, quelque chose. Non, j'arrive pas. Vas-y, vas-y, parce que moi je suis en train de chercher pendant ce temps. Qui est en ligne là? On fait le télim de la rabbinite? Oui, ça va ouvrir les portes des intentions. Boker tov à tout le monde. Ok. Qui en ligne, Fraya, tu veux dire? Bon. Allô? Oui, tu veux que je dise? Oui, vas-y, chérie, vas-y. On répète derrière toi? Comme vous voulez, oui, bien sûr. Ok. Kufraf. Shira Ma'alot. El Adonai Batsarat Ali Karati Vayaneni. Adonai Atila Nafsh. Vous répétez? Vas-y. Shira Ma'alot El Adonai Batsarat Ali Karati Vayaneni. Adonai Atila Nafshi. Adonai Atila Nafshi. Misfat Sheker. Milashon Remiya. Ma'iten Recha. Oma Yosif Lach. Lashon Remiya. חיצי גיבור שנונים, עם גחלי רתמים, אויה לי כי גרתי, משך שכנתי מועלי קדר, רבת שכנה להנפשי עם שונא שלום, אני שלום וכי אדבר, נמה למלחמה. דקה מקרבת את הגאולה, צדקה תציל ממוות, יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשך לעולם ועד. וואלה, אני מילה צדקה, שמח שהווידאו. On n'entend plus. Attends. On va voir si ça fait des miracles. Rabbi Mir Balanes, il là. Même pas en vérité. Ah, voilà. Ah, il y avait quelque chose tout à l'heure, non? Ah, voilà, bravo. Attends, ça ne marche pas. T'excites pas. Il n'y a pas le son, c'est ça? Ah. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas. Ben écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il n'y a pas le son? Si quelqu'un s'y connaît. Tata, remets la vidéo au début. Et regarde, fais comme si tu viens de l'ouvrir. Normalement, il y a un petit truc avec le son en haut. Ou à droite ou à gauche. Ben non, il n'y a pas. Et. Non, c'est pas ça. Non. Rouvre-la, ferme-la et rouvre-la. Voilà, mais on entend, mais très peu. Alors, va dans la petite étoile là en bas, c'est l'Agdarot. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a pas le son. Ah oui. Ok. Il y a un quoi, petit trou avec les paramètres. Ouais, mais j'arrive pas non plus. Bon, écoutez, alors vous regardez et. C'est juste pour voir un peu le rabbi. Ah, peut-être qu'il faut couper une.
Voilà, si vous voulez. Ouais, ça. Mais on voit pas là, moi ça m'a fait écran noir. Ah, oui, vous voyez. Moi aussi, on voit tout l'écran noir. Ah bon, bah alors ça sert à rien, il fallait le dire. Moi ça s'affiche sur mon écran. Ok, alors c'est pas grave. Allez. Ah ben, on n'a plus de vidéo. Ah, on voit plus personne. Vous pouvez envoyer le lien de YouTube dans la conversation en message que chacun regarde chez lui dans son téléphone. Allez, on va commencer. Allez. Là, c'est bon ? Tout le monde voit ? On est revenu à la normale ? Oui. Oui. Yala, allez. Oui. Tiens, pourquoi moi, je n'ai pas de vidéo ? Si, c'est bon, on vous voit. Allez, on y va. Ok. Alors, Boker Tov à toutes. Chag Sameach. Aujourd'hui, il y en a, comme a dit Léa dans la petite vidéo qu'elle a faite pour introduire la Ilva d'août, il y en a qui vont penser que c'est un jour triste et il y en a qui vont penser que c'est un jour de fête. Et comme ça s'est produit le premier Gimel Tammuz, dans l'histoire de Rabat par rapport au rabbi précédent, on va l'expliquer par la suite. Ce Gimel Tammuz, il s'est révélé être un jour de fête, un jour de délivrance a posteriori. Et donc, les chassidim ne savaient pas comment se comporter ou dire Tachanoun dans la tfila ce jour-là, puisque c'est le jour où on a pris le rabbi précédent je vais commencer par le commencement. Le Gimel Tammuz, le rabbi précédent, a été emprisonné. A été le 15 Sivan, il a été emprisonné et à perpétuité. Et le but, c'était il a été emprisonné et condamné à mort. Et le 3 Tammuz, on lui a annoncé que la peine de mort, elle a été commuée en fait en exil à perpétuité, qui n'était pas une situation tant meilleure, parce que finalement, tous ceux qui étaient exilés en Sibérie, ils finissaient aussi par quitter ce monde après des souffrances terribles. Et donc, les chassidim ne savaient pas comment se comporter par rapport à ce jour, si quoi penser, est-ce que le rabbi sortirait vivant de là, etc. Mais après, grâce à ce Gimel Tammuz, le rabbi précédent a été libéré totalement. Et le Mafréa, a posteriori, on a pu dire que le 3 Tammuz était un jour du début de la Géoula. Et puisqu'à posteriori, c'était le début de la Géoula, eh bien, c'est la question que les chassidim ont posée au rabbi. Comment on doit se comporter Gimel Tammuz? Est-ce que dans la tfila, c'est un jour de fête, donc on ne dit pas Tachanoun? Ou est-ce que non, c'est pas un jour de fête, puisque le rabbi était quand même en prison? Et est-ce qu'on doit dire Tachanoun? Et le rabbi de répondre, Alouï, Bergesh, ça dépend du sentiment de chacun. Et donc, chacun a sa manière de voir Gimel Tammuz. Moi, j'ai dit Chag Sameach, parce que en fonction de tous les enseignements que le rabbi exprime quand on veut comprendre un événement, eh bien, on regarde dans la Torah. Pour comprendre l'événement de Gimel Tammuz, eh bien, on regarde dans la Torah du Rabbi et on cherche dans les enseignements du Rabbi, dans les sirot et les ma'amarim du Rabbi, qu'est-ce que représente Gimel Tammuz. Et entre parenthèses, il ne suffit pas d'aller regarder par-ci, par-là quelques extraits, de prendre quelques citations, mais il s'agit bien pour comprendre profondément, de s'investir totalement et d'étudier à fond ces ma'amarim et ces sirot, bien entendu, pour celles qui ont la possibilité de le faire. Mais maintenant, tout est traduit et on diffuse de partout la Torah. Et donc, tous les enseignements sont facilement à la portée de qui veut comprendre et veut apprendre. Et on connaît les histoires, énormément d'histoires sur du rabbi avec ses chassidim, sur l'attachement au rabbi, sur la émouna que les chassidim ont dans le rabbi. Même maintenant, quand on ne voit pas le rabbi de nos yeux de chair, et Calvachomer, qu'on comprend donc l'importance de se plonger dans les sources de la Torah pour encore mieux comprendre, quand on ne voit pas le rabbi, pour mieux comprendre ce que représente Gimel Tammuz. Et ce matin, on a choisi de faire comme on fait toujours en deux parties par rapport au Dvar Malchut. Moi, je vais vous parler dans la première partie
je vais partager une réflexion avec vous sur le Gimel Tammuz. Et d'abord, vous répétez le Toren d'une Sira que le Rabbi a prononcée par Achat Korah en 1988, dans laquelle Davka, sur quelques points, il exprime la grandeur de ce jour, l'importance de ce jour, et surtout, il définit ce qu'est la Mahout, ce que signifie vraiment ce jour, et de quelle manière on doit se comporter, quelle doit être notre attitude par rapport à cette date si importante. Je leur avis de commencer dans cette sira, donc, Gimel Tammuz, que je vous ai raconté. Ah. Il y a un problème chez... Au début, le Gimel Tammuz représente le téléphone en silence. Bon, il représente le début de la Géoula du rabbi précédent. Le rabbi précédent, c'était le chef de sa génération. C'est le Nassi Ador, du Dor HaKodem. Et tout ce qui concerne le Nassi, Rashi dit dans la Torah, Anassi ou Akol. Le Nassi, le chef de la génération, c'est le berger du peuple juif, c'est le dirigeant du peuple juif. Et tout ce qui lui concerne personnellement, c'est pas que le rabbi précédent, il a été mis en prison parce qu'il diffusait la Torah et il a été libéré, Baruch HaShem. Non, tout ce qui concerne un tzaddik et un chef d'un nasi, il concerne son peuple. Parce que ce Mesirut Nefesh que le rabbi précédent a fait, il a fait pourquoi ? Il a fait pour permettre à chaque juif, quel qu'il soit, de pouvoir avoir accès aux sources de la Torah, aux sources de la Chassidut. Et on voit l'ampleur de tout ce qu'il a construit et qui a été continué et élargi avec le travail du rabbi de nos jours, et on voit les fruits de Yud Bet Tammuz et de Gimel Tammuz, puisque c'était le point de départ jusqu'à maintenant, et grâce à ce travail, on avance rapidement et à pas sûr vers la Géoula Amitit Vashlema. Et le rabbi précédent lui-même, quand il est sorti de prison, il a dit que ce jour-là, c'était Chag HaGéoula, c'est pas seulement à moi qu'Hachem a délivré, mais il a délivré tous ceux qui ont à cœur la Torah et Mitzvot, qui chômeraient Torah et Mitzvot, ceux qui vivent, déjà les gens religieux qui vivent avec Torah et Mitzvot, mais aussi un juif simple qui n'a de juif que le nom qu'il porte d'être un juif. Même un juif qui est très très éloigné de Torah et Mitzvot, eh bien ce jour de Chag HaGéoula de Yud Bet Tammuz, et plus précisément cette date de Gimel Tammuz, elle concerne tous les juifs du peuple entier, l'homme échané, quelle tendance, toutes les tendances confuses, confondues, et ce n'est pas seulement un jour de fête pour les chassidés Chabad, mais c'est un jour de fête pour l'ensemble du Ham Israël. Et on va expliquer pourquoi. La Torah nous dit « Niskarim Venaasim ». Ces jours-là, maintenant on se rappelle de Gimel Tammuz, on mentionne cette date, mais ce n'est pas seulement qu'on se rappelle de cette date, mais Naasim, ce jour même de Gimel Tammuz, les événements, ce qui a été créé spirituellement, ils se reproduisent aujourd'hui d'une manière encore plus haute. Et donc, quand arrive Gimel Tammuz, eh bien, c'est un moment important pour chacun de nous de méditer sur les événements qui se sont passés à Gimel Tammuz, de prendre de manière générale, de prendre des bonnes décisions pour ajouter avec encore plus d'intensité dans nos actions, pour accomplir Torah Mitzvot du mieux qu'on peut, pour étudier la Torah encore plus et surtout pour diffuser les sources de la Chassidut, comme on sait que c'est la promesse que Mashiach a fait au Baal Shem Tov, Birsheyafutsu Mayanotecha Chutsa, que tout le but de l'enseignement de la Torah et de la Chassidut, c'est pour amener à l'étape de la Géoula Amitit Vashlema. Et puisque tout ça s'est passé Gimel Tammuz et que c'est par providence divine, eh bien, il faut comprendre, comme le rabbi précédent le dit, que ce jour-là et cette fête-là, elle concerne chaque juif en particulier, même celui qui ne porte le nom de juif. Et ça nous donne un enseignement à nous, comment, à partir de Gimel Tammuz, de prendre la Tatova, comment on doit se comporter vis-à-vis d'un autre juif. Quand on rencontre un autre juif, entre guillemets, puisqu'il est dans le matzav de Korach, qu'il est détaché de la communauté, parce que dans sa conduite extérieurement, il n'a pas l'air d'un juif qui est shomer Torah ou mitzvot. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il dit « Afilu shechata Israël » ou même si ce juif, il faute, il est juif dans son essence. Et dans son essence, au plus profond de son âme, eh bien, le cœur du juif est intègre avec Hachem et avec la Torah. Et donc, l'approche que nous, on doit avoir vis-à-vis de lui, ce n'est pas de se dire « Tiens,
je vais aller lui parler, je vais essayer de le ramener à la tchouva. Bien sûr qu'il faut dire des paroles du cœur et qui vont réveiller son âme, mais il faut le regarder avant tout comme quelqu'un, même dans le matzav actuel dans lequel il se trouve, comme, pas comme quelqu'un qui est tombé, qui est sorti du derrière, qui est dans une yérida, le tzorech aliya, que sauf il va faire tchouva. Non, il n'est pas dans ce matzav-là. Le matzav que nous on voit de yérida avec nos yeux, ce n'est pas une yérida, c'est une étape, c'est le début du processus de sa aliya. Pas parce qu'il se trouve là, dans cette situation. Et bien souvent, on se trouve nous aussi dans des situations dans lesquelles on peut se trouver loin, enfermé, et qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Et on peut se dire, voilà, ouais, là, je suis tombée, je ne suis plus comme avant, il faut que je m'en sorte. Et bien, les forces pour pouvoir s'élever, d'accord, elles proviennent de cette situation. Et ça, ça nous permet de comprendre l'événement de Gimel Tammuz. Que Gimel Tammuz, ce n'est pas Yerida le Tzorech Aliya seulement, le début, parce que dans l'histoire du rabbi précédent, le début de la guerre, concrètement, le rabbi précédent, il a dit Lobirtsoni, Galin, non, Ucharti Latset Bagola. On l'a obligé à se mettre en exil, ce n'est pas sa volonté, c'est comme on dit, ce n'est pas de notre propre gré qu'on a été mis dans cette situation d'exil. Mais si déjà on est dans cette situation d'exil, il ne faut pas regarder cette situation comme une galoute profonde, comme une chute profonde dans laquelle on est prisonnier. C'est vrai que personnellement, on peut se sentir prisonnier dans une situation coincée, dans une situation dans laquelle on ne sait pas comment s'en sortir, on prie Hachem de nous aider. Mais il faut regarder à l'intérieur de nous. Cette situation d'exil, elle est en fait pour nous permettre de dévoiler les forces profondes qui sont à l'intérieur de nous et qui vont nous permettre d'accéder à un niveau de ressenti de Géoula Kipchuto. Et donc, la force spéciale de ce jour de Gimel Tammuz, qui s'est dévoilée après avec Yubet Tammuz, c'est Behemet, le début d'une grande aliyah, le début de la Géoula. A posteriori, on a vu qu'il y a eu de manière miraculeuse et extraordinaire, le rabbi précédent a pu être libéré alors qu'il était condamné à mort. Eh bien, le fait de descendre dans la galoute, c'est ce que le rabbi va nous enseigner ici de Gimel Tammuz. Le fait qu'on soit dans une situation de galoute, c'est pas Mashiach qui va jamais venir. On est dans une situation d'exil total. Non, il faut regarder. Le rabbi va nous enseigner ici que d'où vient la Géoula. La Géoula, elle se dévoile bediyuk dans le matzav de galoute, et c'est ce qu'on a vu à plusieurs reprises au fur et à mesure des semaines quand on a étudié le Dvar Malchut, que le fait de descendre dans l'exil, c'est pas seulement le Tzorech HaGeoula pour amener la Geoula, mais l'exil lui-même dans son Tohen, il est le début du processus de la délivrance. Et donc Gimel Tammuz qui se trouve, c'est Atralat HaGeoula. Et voilà, donc on a dit tous ces points-là. Et que donc, ouais. Et maintenant, le rabbi, il conclut cette sira en précisant que, de manière générale, Gimel Tammuz représente le fait d'être dans l'exil, d'être au début du processus de la Géoula. Et bien, ce qu'a pratiqué, si cette date, elle tombe dans le mois de Tammuz, qui est le quatrième mois de l'année, et dans ce quatrième mois de l'année a été fixé le quatrième jeûne, Yudzaïn Tammuz. On va vivre dans le mois de Tammuz les trois semaines, si Dieu veut, qui vont se transformer en jour de fête. Et le rabbi expliquait que c'est grâce à Gimel Tammuz et Yudbet Tammuz que se dévoile la maout profonde, le sens profond de ces trois semaines et du jeûne en particulier. Ce jeûne lui disait Tzet Tammuz, ça marque le début du Khurban, c'est par là qu'a commencé tout après ces trois semaines qui ont amené à l'étape du Khurban. Et donc, on sait que les Atid Lavo, ces jours de ces trois semaines et ces jours de jeûne se transformeront en jours de fête. Et si Akadosh Baruch Hu Bachara pratique, il a fait en sorte que Gimel Tammuz et Yudbet Tammuz tombent pendant cette date, pendant ce mois, proche de ces trois semaines, c'est pour nous donner un avant-goût, nous faire goûter et ressentir et voir déjà ce que va représenter l'Ati de Lavo, toute l'amertume de l'exil, elle va être pour nous un jour de joie et de fête,
Et donc, cette date-là, Gimel Tammuz, elle donne des forces en particulier pour nous donner, pour mettre l'accent, pour dévoiler ça. On a des forces particulières pour dévoiler dans l'exil le matzav de Géoula et se sentir même dans le galout, dans un matzav de Géoula. Maintenant, on va dire, ça fait 26 ans qui se sont écoulés depuis Gimel Tammuz 1994. C'était la dernière année où physiquement, pour le moment, on n'a pas revu le rabbi. Et cette même année, quand on a reçu cette nouvelle, ce coup dur qu'il a fallu encaisser, terrible et amère, cette nouvelle terrible et amère, eh bien, on a reçu ça comme à partir de maintenant, eh bien, notre lien avec le rabbi, il a changé d'une manière radicale. Et on se trouve maintenant dans une nouvelle situation dans laquelle on ne voit plus le visage rayonnant et lumineux du rabbi. On n'entend plus le rabbi nous parler. Et pour tous, à l'heure d'aujourd'hui, dans l'année, dans les moments qu'on vit maintenant, il n'est pas difficile d'identifier quelle est notre position et qu'on évite d'utiliser en tant que chassidé Chabad, shochim du rabbi, et qu'il n'est pas difficile, et que pour nous, on évite d'utiliser la notion de petit rat, de mavet chas de shalom pour le rabbi. Et la raison en est que nous sommes ma'aminim et betouchim, que ça ne s'applique pas au rabbi. Et nous croyons d'une foi parfaite et inébranlable, et sur la base de ce qui se trouve déjà à l'époque de la Gemara, qu'on aura l'occasion d'étudier, que la vie du rabbi Kipsuto ne s'est pas interrompue et qu'il continue à vivre sans efsek et be'emcher. Et il continue à guider le peuple jusqu'à la Géoula. Amiti d'Hashlema, et ça, c'est pas un fait nouveau, on le voit aussi dans la Torah avec Yitzhak Avinu, qui est monté vivant au Gan Eden pendant 3 ans et qui est revenu après. Ça aussi, il faut l'étudier dans les textes. Et ça a un rapport avec ce qu'on a dit à propos de la Sikha de Chafret Sivan, que le rabbi, il avait fait ce Dvar Malchut en 2 parties. La première, il y a eu une interruption, et après, il a dit au lieu d'une interruption, on va faire un Hemsher. On va continuer. Ça, c'était une allusion pour nous faire comprendre, avant Gimel Tammuz, qu'il n'y a pas d'interruption chez le rabbi. Le rabbi l'a dit clairement dans plusieurs sirot qu'on va passer et que le rabbi lui-même, il a que la vie éternelle sans interruption, c'est pas parce que de nos yeux, on ne voit pas cette vie physique comme nous, on la comprend, que le rabbi ne continue pas à vivre et à guider son peuple d'une façon qu'on ne comprend pas. Et quand la Géoula va venir, eh bien, on aura un niveau, on va s'élever à des niveaux spirituels tels qu'on comprendra qu'est-ce que ça veut dire la vie éternelle du rabbi. Mais pour le moment, eh bien, on se concentre sur la émouna inébranlable et la foi que chaque parole que le rabbi a prononcée, eh bien, elle se réalisera et qu'elle est émet les amito. Et la réponse à la question qu'on a posée au départ, comment se comporter, on doit avoir avec Gimel Tammuz. Alors, pour essayer de comprendre, on va donner Machal, qui est rapporté par le Maguid de Maestricht, je pense, sur le jeu de cache-cache entre Akadosh Baruch Hu et nous, si on peut dire. Et dans ce Machal, eh bien, le père disparaît soudain aux yeux de son fils. D'abord, le fils étonné où a disparu son père. Il appelle son père, « Papa, papa, où es-tu ?» Et sans réponse, il se trouve déchiré entre plusieurs réactions. 3 réactions en particulier. La première, c'est quoi sa première réaction? S'il ne veut pas souffrir, alors il ne se pose pas de questions, il est mitalem. Il reste indifférent à la disparition de son père. Il décide de rester indifférent. Il ne comprend pas pourquoi, il ne sait pas ce qui se passe. On ne le voit pas. Ben, c'est comme ça. La deuxième des situations, ce serait, phrase de Shalom, de tomber dans le désespoir. « Ouah, mon père, il a disparu. Qu'est-ce que je vais devenir? Je ne vois pas mon père. » Et puis, à force de réfléchir et de souffrir, il peut même en arriver à passer par des sentiments de se sentir trahi. « Mon père, il m'a trompé. Il a disparu sans me prévenir. » Et puis après, on peut se trouver piégé dans un labyrinthe de questions sans fin pour après sombrer dans la déprime et penser voilà, que Gimel Tammuz, le rabbi, nous a abandonnés et qu'on est triste, qu'on continue quand même ce qu'il nous a demandé. Mais on attend que le rabbi revienne, on ne peut pas continuer comme ça, bien que tout le monde soit persuadé que le rabbi nous amènera à la Géoula Kipshuto et qu'il continue de vrai pour nous aider à marcher dans cette voie royale qu'il a tracée pour nous. La troisième des réactions que l'enfant
peut avoir quand il cherche son père, c'est d'abord de chercher à comprendre que si son père a choisi de se cacher, c'est uniquement et sans aucun doute parce qu'il veut voir combien son fils voudra le chercher, le retrouver, et combien son lien avec son père lui est important. Et là, alors, il se dit, papa est en train de me tester pour voir combien son absence me manque et me fait souffrir. Et alors, je vais le chercher et lui prouver mon amour, et je suis sûre que je vais le trouver. Évidemment, le Nimshal est clair, l'enseignement de ce Mashal est clair. Quand Hachem il nous place dans une situation où on ne voit pas Hachem, le but est l'intention profonde d'Akadosh Baruch Hu. Quand il se cache de nous, on ne voit pas Akadosh Baruch Hu, mais on a l'aïmouna qu'il est là. C'est pour nous inciter à le chercher et à se rapprocher de lui. De la même manière par rapport au Rabbi. Aujourd'hui, quand on se trouve bloqué, coincé dans cette situation où on ne voit pas le Rabbi de nos yeux de chair, et que le Rabbi, on sait combien il nous considère comme ses enfants, et combien nous, on se sent comme les enfants de Rabbi, du Rabbi. Et même s'il a disparu, on ne le voit pas de nos yeux physiques, le Rabbi, il est là, il le dit et je le répète. Et pour montrer combien le lien du Rabbi avec nous est important, j'ai lu une petite histoire ce matin d'une jeune fille adolescente qui, pour montrer vraiment le cœur d'un père que le Rabbi a pour nous, qu'une jeune fille adolescente, elle avait des problèmes avec sa crise d'adolescence, avec ses parents, avec sa famille, et personne ne comprenait la souffrance qu'elle avait et les questions qu'elle se posait. Elle a décidé d'écrire au Rabbi et de transmettre au Rabbi tout son chagrin et sa peine et tous les défis auxquels elle devait surmonter. Et le Rabbi de lui répond dans une lettre qui comprend sa souffrance. Et la jeune fille, quand elle a reçu la lettre, elle n'en revenait pas. Le Rabbi, il y a quelqu'un qui comprend sa souffrance. Elle a tout de suite écrit au Rabbi et elle lui a dit, c'est vrai, Bémet, Rabbi, tu comprends ma souffrance. Le Rabbi souffre aussi pour elle. Et le Rabbi lui a dit oui. Et lui donne un exemple. Il dit, quand tu vas te marier, tu es une jeune fille, quand tu vas te marier, tu auras des enfants. Et quand ton bébé va pleurer parce qu'il a mal aux dents, tu vas souffrir de voir ton bébé pleurer. Et tu ressentiras que tu ressentiras sa souffrance. Eh bien, la même chose, ce n'est pas le Rabbi qui dit ça, mais la même chose, le Rabbi, il souffre de nous voir dans cette souffrance. En fait, il doit souffrir de, non seulement qu'il est dans un matzav d'exil et qu'il est caché de nos yeux, qu'il ne peut pas terminer le travail qu'il a commencé d'amener la Géoula, mais nous aussi, il souffre de nous voir souffrir quand on ne sait pas comment faire pour amener la Géoula. Mais la voie, elle a été toute tracée et elle est sans aucune ambiguïté. Le Rabbi, il nous a dit clairement ce qu'il faut faire pour se préparer à la révélation du Mashiach, à la Geoula Amitit de Hashema. Et la seule Nekuda, la seule Ora'a qu'on peut, c'est la manière avec laquelle on peut chercher à Kadosh Baruch Hu. Et on peut tout faire pour que le Rabbi revienne, se dévoile et nous conduise en tête à la Geoula Amitit de Hashema. C'est de canaliser toutes nos actions et se concentrer uniquement sur cette matara, faire la volonté de Dieu d'amener le monde à la Géoula, suivre les directives du Rabbi qui nous amènent à grands pas vers cette Géoula. Et sans aucun doute, c'est le seul chemin qui nous amène à la Géoula. Et en particulier, et c'est la clé de tout, on peut dire qu'il y a quatre points. J'ai entendu ça aussi dans une badoute, mais c'est exactement ce que le Rabbi dit. Il faut s'investir dans l'étude des Nyanim Hashar et Geoula. Quand on attend un événement aussi grand, eh bien, il faut comprendre qu'est-ce qui nous attend. Et pour comprendre, on est obligé d'étudier. Donc, s'investir dans l'étude de la Torah, de rajouter dans l'étude de la Torah, en particulier dans les sujets de Mashar et de la Geoula qui ont pour faculté d'accélérer, d'anticiper la Geoula, de rajouter dans la Tzedaka chez Mekarevet la Geoula, de rajouter dans la Vat Israël, d'aller vers un autre juif, c'est représenté par de s'investir dans toutes les mythes, les Miftsaïm du Rabbi. Et donc, surtout dans les moments actuels dans lesquels on est et qu'on voit chez tout le Ham Israël, de réclamer Mashiach. Et ces quatre points, en fait, ils se résument en un seul. Osafa, rajouter dans l'étude des Nyani Mashiach et Geoula. Parce qu'automatiquement, quand on va étudier, et ben, tout de suite, on va rajouter dans la tzedaka,
on va rajouter dans Avat Israël, on va rajouter encore plus dans l'étude de la Torah. Et la force de la Torah, elle est telle qu'elle change, qu'elle fait des merveilles dans le Nefesh Adam, qu'elle fait des merveilles dans l'âme de l'homme, et qu'au point que c'est pour ça qu'on insiste énormément sur le sujet de l'étude, parce que grâce à l'étude, sans s'en rendre compte, et on l'a expérimenté sur nous-mêmes, mamash, que sans s'en rendre compte, la Torah, elle fait son travail à l'intérieur de notre âme, et qu'on finit par regarder le monde, par voir la Metziyut avec des yeux, avec le point de vue et l'ashkafa de Torah et l'ashkafa chassidique en particulier. Et donc, deux Achlatot Tovot et deux enseignements nous apportent Gimel Tammuz, comme on l'a dit en premier, que chacun prenne sur soi d'étudier encore plus Inyanim Hashiach HaGeoula et de les diffuser. Et la deuxième Béorah non moins importante, et pour l'illustrer, je vais vous raconter l'histoire que j'ai entendue de Rav Pachter qui a dit ça dans une Yidvad, où il a rapporté une histoire du rabbi avant sa Nesiyut. Le rabbi se trouvait en Italie avec la rabbanie Trayamushka. Et il a écrit cette histoire, et ça avait l'air d'une, avec le sourire, il raconte ça, ça avait l'air d'une blague, mais en fait, c'était le Emet, mais elle est très très riche d'enseignements par rapport à Gimel Tammuz. Et le rabbi raconte qu'il se trouvait donc en Italie, il avait un billet de train pour voyager, et il a dit, c'est le pays le plus balagan du monde. On te donne une heure de train, numéro de quai, mais quand tu arrives avant l'heure du train, et le quai il a déjà changé, le train il est en retard, etc. Et cette fois-ci, quand le rabbi se trouvait à la gare, il était tout étonné. Oh, il me saute ces oiseaux-là. Il était tout étonné que le train affichait être à l'heure, le quai n'a pas été changé, et par miracle, quand ils sont arrivés sur le quai, le train il était déjà en gare, il est même arrivé en avance, si bien que les passagers, ils ont pu monter dans le train, s'asseoir dans le train et se préparer au départ. On entend le sifflet du train qui va commencer à démarrer. Ils sentent que le train démarre, et puis tout d'un coup, alors tout était parfait. Ah, pour une fois, l'Italie, elle était au point. Et tout d'un coup, le train s'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mécanicien, le chauffeur du train, il s'est rendu compte qu'il a fait démarrer la locomotive, mais que le train, il était resté derrière. Et là, pour raconter quoi? Qu'il ne suffit pas de montrer dans le train de la Géoula dans lequel le rabbi nous a mis. Oui, c'est vrai, on veut Mashiach. Oui, c'est vrai, on va étudier l'année Mashiach à Géoula. Oui, on veut participer, on veut faire, on veut agir pour que la Géoula vienne. Mais le facteur le plus important, c'est de veiller à ce qu'on soit vraiment rattaché à la locomotive, au générateur de force qui nous permet à nous d'avancer à grands pas et d'amener la Géoula. Et le rabbi compte sur nous, à Kadosh Baruch Hu, il compte sur nous, on est associés à Hachem et au Rabbi dans ce projet. Et donc, Gimel Tammuz, c'est un jour non moins important pour se remettre en question dans notre attachement au Rabbi et vraiment tirer des forces et s'accrocher à la locomotive de toutes ses forces. Et on croit sans limite aux paroles du Rabbi, et c'est la raison pour laquelle on fait tout, à col tout. Et dans Akol, la Torah elle dit que le mot Akol, je ne sais plus dans quel sens, ça veut dire la Géoula. Et on fait tout, et notre foi elle est sans limite dans le Rabbi. C'est la source de notre attitude maintenant par rapport à Gimel Tammuz, dans le fait que le Rabbi il est là, qu'il n'y a pas eu d'interruption, et qu'on fait tout pour que Miyad Mamash, eh bien, on puisse voir de nos yeux de chair le Rabbi à notre tête nous amener à la Géoula, Mitzit Vashlema. Et juste une petite nekuda que je voulais rajouter personnelle. Gimel Tammuz, 1993, c'est le jour où le rabbi a donné à mon mari, Zichrono Livracha, une bouteille de vodka après qu'on ait fait un plan avec les Chassidim de Paris pour lancer la campagne Mashiach. Quand le rabbi, en 91, a commencé à dire qu'il fallait s'asseoir par 10 pour amener la Géoula, la fameuse Sikha de Kohar Nissan, et qu'il fallait intensifier l'étude des Nyané Mashiach à Géoula, et intensifier les actions pour approcher la Géoula. Alors mon mari, avec les Chassidim, m'avait fait un plan. Il a eu le mérite de voyager à New York. Il était avec le Rav Reuven Matuzov à cette époque. Ils ont voyagé ensemble. Bergera Pratit, quand le rabbi était alors, après la deuxième attaque cérébrale, et dans le bureau du rabbi,
eh bien, il y avait un grand panneau que Rav David Narchon avait mis, Baruch Haba Melech HaMashiach. Et je me rappelle de cette image aussi parce que je l'ai vue. Il y avait les bandages du Rabbi. Mamash Mashiach, il attend de se dévoiler. Il porte les souffrances d'Am Israël pendant le temps de l'exil. Et Rabbi Groner, il l'a donné à mon mari. Il a fait rentrer au Rabbi le Tzetel. Il a montré au Rabbi, il a expliqué au Rabbi ce qu'on avait l'intention de faire. Et donc, le Rabbi a acquiescé avec la tête. Et Rabbi Groner, il a béni la bouteille de vodka. Et Rabbi Groner nous a donné cette bouteille de vodka pour diffuser Mashiach et Geoula. Et depuis ce jour, eh bien, sans cesse, sans répit, on fait tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. Et c'est vraiment ce qu'on veut, Bukminiou, pour rapprocher la Geoula et monter dans le train du Rabbi, s'arrêter à la locomotive. Et c'est aussi le but de notre Midrasha Ad Mataï, et sans répit, on finira par revoir le Rabbi et amener la Geoula immédiatement. Amen. Maintenant, je passe la parole à Léa. J'ai parlé trop longtemps, certainement. Viens là. Oui. Comment? Ah, c'est bon. Razak, c'est super. Kolakava Gisèle. On va, tout le but, moi je vais vous rentrer un peu plus dans le Noir Malchut et puis après Bezrat Hashem, j'aimerais bien qu'on ouvre les micros et qu'on parle un petit peu. Donc on se trouve entre la paracha Korach et la paracha Chukat. Dans la paracha Korach, on a dit, on l'a étudié la semaine dernière, que le Rabbi explique tout le Inyan de Gimel Tammuz, que la Geoula ne peut venir que par étapes. Et ensuite, il nous dit que, il explique tout un séif du Dvar Malchut où il explique avec les lettres de Korach, comment dans le nom même de Korach, il y avait sa faute. Et tout de suite après, il dit que la réparation de Korach, c'est Chukat. A priori, on ne voit pas le rapport. Mais en fait, qu'est-ce qu'il avait, il voulait Korach? Korach, il a dit à Moshe Rabbeinu, une maison qui est pleine de farim, pourquoi il faut une mezouza? Un talit qui est déjà très laid, pourquoi vous mettez des tzitzit? C'est-à-dire, ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire, si on est attaché à Kadosh Baruch, à quoi ça sert les mitzvot? Ça ne sert à rien. Il avait déjà une vue, on dit, le rabbi l'explique, il avait déjà une vue de la Geoula. Comment ça sera dans la Geoula? On sera pas, la mitzvah, elle sera, on ne nous l'ordonne pas, mais on la fera de nous-mêmes tellement on sera à un niveau élevé. Et Chukat, c'est quoi? Chukat, on rentre dans un monde qu'on ne comprend pas. D'ailleurs, le rabbi pose la première question qu'il dit dans Chukat. Il dit, pourquoi ça commence des autres Chukat à Torah? Le fait de brûler la vache rousse pour purifier il fallait sortir du camp, je ne vais pas revenir dans tous les détails, mais c'était quelque chose d'un peu complexe. Il fallait brûler une vache rousse qui n'avait pas à travailler, qui n'avait pas de poils, qui n'avait pas de poils blancs, qu'il fallait la brûler en dehors du camp et prendre ses cendres et les mélanger avec de l'eau vive. Et qu'après, le Cohen, balancer aspergé. Merci beaucoup. Je t'en prie. Il aspergé cette eau-là sur celui qui avait été en contact avec un mort. Celui-là, il devenait pur et le Cohen, il devenait impur. Vraiment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. On dit même que Shlomo Améler, il ne pouvait pas comprendre ça. Et donc, le rabbi nous explique que tout l'enseignement de Chukat, c'est justement que notre Sichel, il peut pas comprendre les sujets divins, on peut pas les comprendre. Et que le rabbi dit que justement pour passer de Korach à Chukat, la seule chose qu'on doit faire, c'est Bitoul. Alors ça veut dire quoi Bitoul? Ça veut dire que je sais que c'est des choses divines et que mon intellect il peut pas le comprendre, mais je dois quand même le faire. Donc ça veut dire même il y en a qui ont vu le rabbi dans la situation de Gimel Tammuz. Ils ne peuvent pas imaginer que le rabbi, il est vivant. Je l'ai vu de mes yeux. Non, ça, c'est ce que tu as vu de les yeux. Mais la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est la réalité de la Torah. Et ce n'est pas pour rien que le rabbi, il a tellement insisté entre Korach et Chukat pour que ça tombe vivre, comme par hasard, Gimel Tammuz, pour nous donner tous ces enseignements. Que nous, notre Sérel, il est petit et on ne peut pas comprendre. Ça, c'est la base. Après, bien sûr, on va s'efforcer avec toutes les possibilités qu'on a d'essayer de comprendre. Mais savoir que la vraie raison, on ne comprendra pas. Et c'est pour ça que c'est Chukat à Torah. C'est-à-dire que c'est le sod de l'Avodat Hashem. Pourquoi ce n'est pas écrit sur le Chok à Torah de Pessah? Pourquoi Pessah, ce n'est pas le Chok de... Je dis un exemple. Parce que, surtout en plus que ce Chukat, cet ordre de sanctifier l'impureté de la mort, c'est quelque chose
qui n'est pas courant, on ne peut même pas le faire de maintenant. Mais c'est pour nous enseigner que tout chemin, toutes ces choses divines, ce n'est pas à notre portée. Et on doit les accepter et travailler avec. Et ça ne doit pas nous empêcher d'évoluer. Pas dire je ne comprends pas, alors je ne fais pas. Non, ton sérel, c'est sûr, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un sérel, mais que ce sérel-là, il doit justement être utilisé pour servir Akadosh Baruch Hu. Pas comme une antithèse, je ne comprends pas, je ne fais pas. Ça, c'était déjà la première chose. Maintenant, on va comprendre tout le enfin, une petite écoute de Rukat. Donc, le rabbi, cette sira de Rukat, il l'a dit Shabbat, le 10 Tammuz. Et donc, il nous a expliqué que il y a deux tendances dans le monde, si on peut dire. Il y a la tendance du 7, c'est-à-dire les jours de la semaine. Les jours de la semaine, ils sont fixés par Akadosh Baruch Hu. Le juif, il ne peut pas changer les jours de la semaine. Et donc, ça correspond au chiffre 7. Ensuite, nous avons le jour du mois, donc cette année-là où l'aura bien en non-alef, quand il a fait cette sira, c'était le 10 du mois. Et le mois, lui, il est sanctifié par le juif. C'est-à-dire que c'est le juif qui va fixer la métivo de Rosh Chodesh, des fêtes, etc. Donc, l'aura bien nous explique que quand ce jour-là s'est uni le 7, la dimension de la semaine, avec le 10, la dimension du mois, on arrive à Tov, 17. Et il nous explique qu'en fait, il faut comprendre comment ça marche, ces deux tendances. Le 7, c'est tout ce que Kadosh Baruch Hu y crée par lui-même dans le monde. C'est-à-dire, c'est par exemple la Torah écrite, c'est les jours de la semaine, c'est les 7 midot, c'est la perfection qu'il rentre dans la Teva. Et là, si on peut voir, c'est que c'est toutes les explications qu'il nous a données jusqu'à maintenant, entre le 1 et le Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus de la Torah et qu'on faut rentrer dans la Torah, entre le 1 et la diversité. Et là, il nous donne, Pitom, il nous donne le secret. Il nous dit qu'en fait, notre travail, nous, le travail du 10, quand un juif, il va prendre toute la Torah, qui va travailler dans le monde et qui va la travailler sans comprendre, et c'est un peu Messivot Nefesh de faire des choses sans comprendre, et bien quand on va se briser nos limites et qu'on va essayer de faire juste parce qu'Hachem, il nous a dit, alors on va révéler dans le monde un niveau qui est beaucoup plus haut que le niveau du 7 d'Akadosh Baruch Hu. Ça paraît fou. Akadosh Baruch Hu, il nous donne la dimension du 7, la dimension de la perfection dans le monde. Et le juif, quand il va faire Torah et Mitzvot, avec Messirut Nefesh, en donnant toutes ses forces, en brisant toutes ses limites, alors il va dévoiler dans le monde, pas Elokut, il va dévoiler Atzmut. Il va dévoiler un niveau qui est au-dessus de la source du monde. Je ne sais pas si on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que par notre petit travail à nous, on va dévoiler une lumière qui n'est pas dans le monde, qui normalement ne peut pas s'exprimer dans le monde. Et c'est ça tout le travail, le sod de la Avodat Hashem. Et c'est ce sod-là que le Rabbi nous révèle pour Gimel Tammuz. Et il nous dit, alors si on voit ça dans la paradouma, hein, on voit que la vache, il fallait la brûler. Donc, brûler, c'est quoi? C'est le feu qui monte. Et on l'a mélangé dans de l'eau. Et l'eau, elle descend. Et ils nous disent que tout le sod du travail, c'est justement de s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Mais avant de s'élever, savoir que tout ce qu'on va faire, c'est pour le redescendre dans le monde. Donc, on va s'élever vers Akadosh Baruch Hu pour prendre des forces. On va chez le rabbi, on étudie. Mais la matara, c'est quoi? C'est de le descendre dans le monde. Parce que quand on va le descendre dans le monde, ce qu'on va descendre dans le monde après, ça va élever le monde plus haut d'où il est parti. Et donc, si on voit bien, donc c'est deux entités opposées, le feu et l'eau. Et là, on les met ensemble, et quand on les met ensemble, alors on dévoile un degré beaucoup plus haut d'Akadosh Baruch Hu. J'insiste sur cette notion-là parce que c'est vraiment extraordinaire de voir que le pouvoir du juif, Dieu nous a donné un pouvoir tel qu'on peut arriver plus haut que ce que lui, il a mis dans le monde. Et c'est justement toute la dimension de la Géoula, puisqu'on sait que dans la Géoula, on va recevoir on sait que Akadosh Baruch Hu nous a donné 7 peuples, et qu'à la Géoula, il va nous donner 3 autres, Kini, Kinziv et Kanmoni. Et que ces 3 peuples seulement, ils sont plus grands que toute la terre d'Israël jusqu'à maintenant. Et que ça correspond à quoi? Aux 7 midot d'Akadosh Baruch Hu, on revient aux 7. Et le 3, c'est quoi? C'est le morin, c'est-à-dire c'est le sérel qui est au-dessus de la nature, c'est-à-dire c'est la nekuda qui nous unit avec Akadosh Baruch Hu. C'est le sérel qui est au-dessus du monde. Et quand justement, par le travail qu'on va faire de dévoiler Dieu dans le monde et de dévoiler
avec nos forces, on va dévoiler ce niveau du 10, on va attirer dans le monde le 10 d'Akadosh Baruch Hu qui est la Géoula. Donc, c'est par le travail du juif, on va dévoiler le monde au-dessus de la perfection dans laquelle Akadosh Baruch Hu l'a créé. Et si on voit, donc, quand, dans la Torah, dans le Tanakh, on a la Torah écrite. La Torah écrite, c'est le niveau du 7. C'est la perfection, on n'a pas le droit d'ajouter, on n'a pas le droit de retirer. Et la Torah est orale, alors on voit que c'est au contraire, c'est tout l'effort du juif qui font des ridouchim, c'est la chod, c'est toute la Torah que le juif il a intégré et qu'il a expliqué et qu'il a commenté, etc. Et donc dans la Torah orale, le juif il a sa place et donc il va expliquer la Torah écrite et il va donc dévoiler encore un niveau plus grand que ce qu'il y a dans la Torah. Et dans la Torah orale, il y a aussi la Torah niglée et la Torah pnimiut. Avec la Torah niglée, on va dévoiler le niveau d'Akadosh Baruch Hu, le niveau niglée d'Akadosh Baruch Hu. Et avec le pnimiut Torah, on va dévoiler le pnimiut Torah, le pnimiut d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est tachlit atov. Avec la Torah, on peut dévoiler le niglée Torah, on va dévoiler le tov qu'il y a dans Akadosh Baruch Hu, le tov qu'il y a dans le monde. Et avec le pnimiut Torah, on va dévoiler le tov qui est caché dans le monde et qu'on ne voit pas. Et c'est justement tout le inyan de Gimel Tammuz, qu'il y a des fois du bien qui est caché, mais on ne le voit pas. Comme par exemple, ce qu'on vit à l'heure actuelle, le corona. On peut voir le corona comme la plus grande des macas. On voit quel maca il tombe sur le monde. Mais d'un autre côté, on voit que, si on peut dire, grâce à ce corona, on peut arriver à des situations beaucoup plus grandes, une lumière beaucoup plus grande qui descend dans le monde. Tout dépend de comment on regarde le monde. Et c'est ce que le rabbi veut nous enseigner, qu'il y a des choses contraires. Il y a même en nous, on a notre corps, on a notre corps qui est limité et on a notre neshama. Et quand on associe les deux, alors on peut, avec la neshama qui est du niveau de 7 aussi, elle, on peut dire que c'est une création d'Akadosh Baruch Hu, mais quand on la met dans le corps, alors ensemble, on va arriver à dévoiler le 10, on va arriver à dévoiler des niveaux qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on pourrait imaginer. Et ça, c'est tout le travail du 7 et du 10. J'ai tellement de choses qui me viennent dans la tête que j'essaye de faire un CDR, c'est pour ça que... Donc, on doit donc dévoiler Dieu dans le monde. Ça, c'est donc, chaque jour, le juif, il doit dévoiler ces deux dimensions. Dévoiler Dieu dans le monde d'une manière naturelle et aussi... La deuxième chose, c'est les Khadesh dévoilés à Kadosh Baruch Hu qui est au-dessus du monde. Et ça, le rabbi dit qu'on commence déjà avec Modéani. Quand on se lève le matin et qu'on dit Modéani, alors la première partie de Modéani, Modéani l'Efanecha Melech Chai Bekayam, Shechezarta Binishmati, ça c'est le côté Teva, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu nous rend naturellement notre Neshama. Naturellement, bien sûr qu'on doit le c'est déjà un essence en soi, mais on doit le. Et après, tout ce qui est Rabba et Munatera, c'est notre partie qui est infinie. La partie que sur la base qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, on rajoute. Et que justement, quand un juif, il va après sa tefila, après son modani, il va faire les brachot, et il va donc continuer à rentrer et le TV, le numéro 7, et il va rajouter sur ça, en intégrant tout ce qui va... Il va faire cette fille-là, il va étudier, donc il va intégrer. Et après, quand il va agir dans le monde avec tout ce qu'il aura, il aura accumulé, alors il va élever le monde lui-même au niveau de 10. Et aussi, le rabbi dit que c'est aussi Ratso et Chauve, c'est les deux tendances. Ratso, on s'élève, c'est le niveau du feu, et Chauve, on redescend dans le monde avec la force qu'on a prise. Et là, maintenant, on va repartir un petit peu, c'est vraiment les Nekoutot en résumé du Dvar Malchut de Chokhmah. Je vais repartir sur Korar pour vous donner une Nekouda que j'ai entendue hier qui m'a explosé. Et après, on va ouvrir les micros pour que vous puissiez intervenir. Donc, c'est le Rav Yosef Yitzhak, Yosef Ginsburg,
qui raconte, qui dit dans le Dvar Malchut, c'est d'ailleurs un point que je n'avais pas très bien compris quand je vous l'ai fait la semaine dernière. C'est le Rabbi, il explique c'est quoi l'intervention d'Akadosh Baruch Hu quand il crée un Nes et quand il conduit le monde, il gère, il recrée le monde à chaque instant. Et il nous dit que Hachem, on nous dit que tout ce que Hachem il crée, c'est pour son kavod. Alors, c'est quoi son kavod? Alors, son kavod, ce n'est pas ce qu'on pourrait penser, c'est le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Non, en fait, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on lui fasse de la place. Le kavod, c'est faire la place à Akadosh Baruch Hu. Donc, on avait dit la semaine dernière qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait pu créer un monde qui est statique. C'est-à-dire qu'il il le crée une bonne fois pour toutes, et le juif, il fait son avoda, mais il ne peut pas rajouter dans le monde. Et ce n'est pas le choix d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde, il le recrée à chaque instant. Et pourquoi il le recrée à chaque instant? Pour nous donner à nous la possibilité de rajouter, justement de rajouter du 7, de le passer au 10. Et pourquoi? Et quand on va rajouter, ça va nous donner du oneg. Parce qu'on sent qu'on fait quelque chose. On sent qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous et qu'il nous donne la possibilité de rajouter dans le monde. Et ça nous donne du oneg. Et le Rabbi continue en nous disant que donc Akadosh Baruch Hu, il recrée le monde à chaque instant. Et aussi, il crée le Nes qui s'habille dans la Teva. Parce que justement, s'il n'est pas habillé dans la Teva, alors nous, on n'en profite pas vraiment, puisqu'il n'est pas habillé en nous, on n'arrive pas à le vivre, puisque nous, on est encore au niveau du 7. Et que quand justement, il habille dans la Teva, donc il va unir le 7 et le 10, et ça va nous aider à nous, de progresser et de puisqu'on va avoir le Nes et un Gilouï d'Akadosh Baruch Hu, donc ça nous aide à le dévoiler sans cesse. Et il avait raconté le Rabbi dans la Sikha, il parle de un juif, il fait par exemple la bracha chez Akol Niyabid Baro, si seulement une fois de temps en temps pouvait réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire chez Akol Niyabid Baro, c'est-à-dire qu'au moment où un juif il va faire la bracha sur le verre d'eau et qui dit Baurata Hashem Elokeinu Melech Olam Sheakol Niyah Bidbaro, à ce moment-là où il dit ces paroles-là, il élève toute l'eau qu'il y a dans le monde, il révèle le Verbe divin dans toute l'eau qu'il y a dans le monde. Est-ce qu'on peut se rendre compte de la force qu'on a? Et si une heure après il recommence à boire, encore une fois il va élever toute l'eau du monde. Donc quand on réfléchit à ça, on se rend compte qu'on a une force extraordinaire. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le juif, il peut le comprendre. On a dit tout à l'heure que le sechel, il peut être un obstacle, mais le sechel aussi, il peut être un avantage. Parce que par le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'un juif, il peut comprendre toute cette évolution-là, donc ça va nous rajouter beaucoup. C'est extraordinaire de savoir que nous, petites créatures, toutes petites, on peut arriver à faire un chidouche dans le monde. Et même le rabbi dans la Parashat Roukat, il dit aussi, comment c'est possible que grâce à Pnimiut HaTorah, on peut comprendre notre avoda. Et comment c'est possible que Dafka, dans nos générations les plus basses, le Pnimiut HaTorah, il a été révélé? Le Rabbi nous dit justement, parce que dans notre génération, notre force, c'est l'action. C'est pas le sechel, c'est l'action. Et par l'action, comme on a déjà dit plusieurs fois, qu'on est comme le talon, par nos actions, on va élever, on va faire bouger tout le binyan. Et que grâce à notre génération, qui est Dafka tellement basse, on agit. Et si on peut regarder dans le monde, maintenant, on voit que tout le monde diffuse, tout le monde agit. Alors qu'avant, c'était que très peu de personnes qui pouvaient diffuser, parce que tout le monde était concentré sur l'étude, sur la vodate personnelle, etc. Mais maintenant, on n'est plus à ce stade-là. Maintenant, on est au niveau de bitoul. C'est-à-dire, la seule chose qui nous importe, c'est faire, diffuser, activer. On veut Mashiach. C'est que, alors, on se rend compte que chacun, il peut être choutaf d'Akadosh Baruch Hu. Et là, le Rav Ginsburg, il nous a expliqué quelque chose d'extraordinaire. Il a dit que de la même manière, on ne pourrait pas s'imaginer faire tout ce travail de sentir la présence d'Akadosh Baruch Hu si on ne savait pas qu'Akadosh Baruch Hu, il était dans le monde. Si on pouvait penser qu'Akadosh Baruch Hu, il était que en haut, notre action serait différente, comme on l'a expliqué. Et dans la Sikha, le Rabbi, il explique aussi que c'est pareil avec le Nasi Ador. Le Nasi Ador, il est tout le temps en contact avec le juif. Et que c'est ce lien qui permet d'avancer et de sentir qu'on a une interaction et qu'on est chayar au rabbi. Et le rabbi, je ne sais plus en quelle année, il a distribué à l'occasion de la iloula du rabbi précédent un kovetz avec le perek Chavzaïn du Tanya. Et dans ce perek, on explique toute la force du tzadik qui n'a pas une vie physique, qui a une vie rouhani,
qu'il est plus grand dans les mondes supérieurs, et toute cette force-là. Et à la fin, la dernière phrase, je ne me rappelle pas en hébreu exactement quelle phrase c'est, mais si vous voulez, je vous peux vous mettre le lien de du cours du Rav Ginzburg. Et en dernier, il dit que ça marche pour tous les tzadikim, mais pour le chef de la génération, il est obligé d'être vivant dans un corps chai vekayam, dans un corps vivant. Pourquoi ? Parce que sinon, le lien entre un chassid et son rabbi, ça peut être qu'un lien physique. C'est-à-dire, bien sûr, vous allez me dire, mais quoi physique ? Comment on peut dire physique ? C'est pas le rabbi, c'est un lien. C'est-à-dire, si la personnalité du rabbi, elle n'est pas dans le monde, on n'a pas ce lien physique. Et la preuve, c'est que dans toutes les générations, quand un rabbi quitte ce monde, tout de suite, était nommé son successeur. Parce qu'un juif, il ne peut pas être sans le lien avec son rabbi. Et que justement, tout et c'est pour ça que le rabbi il nous donne tous ces détails sur Guimel Tammuz, tous ces détails sur que notre esprit ne peut pas comprendre, mais on doit savoir que c'est le Emet, parce que c'est lui-même qui dit que c'est comme ça le Emet. Alors, savoir que ce lien avec notre rabbi, il ne peut pas se faire si le rabbi n'est pas dans le monde. Et ça, c'est dans la Torah du rabbi. Ce n'est pas des commentaires, ce n'est pas des choses qu'on a inventées, c'est dans la Torah du rabbi. Sans compter combien de fois le rabbi il a dit que notre génération, il n'y aura pas de Hefsek, et que c'est des choses qu'on ne comprend pas. Mais c'est comme ça le rabbi l'a dit. On croit, c'est tout. Et quand on va y croire, c'est-à-dire que le fait d'y croire, ça veut dire qu'on va associer la dimension irrationnelle, la dimension qui est au-dessus de la Teva. Et qu'en plus on va essayer d'y croire et qu'on va faire ce bitoul de pousser de nous ces idées qui peuvent nous embrouiller, alors le rabbi passe par nous et il nous donne des éclairages sur justement, on va écouter un cours, on va écouter quelque chose qui va nous répondre à nos questions. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce qu'on voit qu'il nous a tout donné pour qu'on comprenne. Et ce qui est extraordinaire, c'est que chaque année, il y a un éclairage différent qui nous fait évoluer et comprendre davantage. Et d'afka, dans les moments les plus obscurs comme maintenant, on a des révélations telles que ça qui font que déjà, on le sent. On sent que le rabbi, il est là. Alors, le rabbi, j'aurais dû expliquer exactement comment il a amené la chose. Parce que voilà, il a dit, il y a deux manières. Jusqu'à ce qu'on étudie cette sira, il a dit, on aurait pu penser que le rabbi, il a été choisi par un Kadosh Baruch Hu pour être Mashiach. Et que, comme Rachid explique que dans Daniel, que le Mashiach, il doit se dévoiler, se cacher et après se dévoiler. Alors, on peut penser que avant Nun Dalet, le rabbi s'est dévoilé, puisque tout le monde criait Mashiach, et qu'après, ça a été le moment où il se voile, et après, Bezrat Hashem, on attend le moment où il se révèle. Mais comment on se dit, peut-être c'est le Talir, que Kadosh Baruch Hu, il a décidé, et que le rabbi, comme c'est, il est quelqu'un au-dessus de la nature, qui nous a donné toutes les forces, comme si il nous a donné des batteries, pour pouvoir rester vivant pendant tout le temps où il n'est pas là. Mais ça, c'est des choses qu'on pouvait penser avant cette sikha de Rukat. Dans cette sikha de Rukat, il explique, entre Kohar et Rukat, que le juif, il ne peut pas être attaché à son rabbi si le rabbi, il n'est pas vivant. Et donc, on est obligé de penser que le rabbi, il est là. Et que c'est obligé parce qu'on ne pourrait pas être lié à lui, on ne pourrait pas continuer toutes ses actions. Et même si on ne sent pas ce lien, comme beaucoup pensent que malheureusement le rabbi il n'est pas là, et bien ils ne se rendent pas compte, mais le rabbi s'il reçoit des forces, c'est parce que le rabbi il est dans ce monde-là et pas dans un autre monde, et que c'est justement toute cette force-là, c'est parce qu'on est obligé de sentir cette interaction entre le rabbi et nous. Il y avait encore beaucoup de choses et puis aussi ce que je voulais dire, c'est que justement le rabbi nous laisse libre de penser. Justement, est-ce que je veux accepter cette shoot-a-foot avec le rabbi? Est-ce que je veux accepter le fait d'agir avec le rabbi? Ou je pense que non, c'est fini, je laisse d'autres faire? C'est un choix qui m'est donné. Et pour en finir, je vais juste raconter une petite histoire que beaucoup connaissent, que j'ai entendue récemment par le Rav Sandy Vyshensky, qui disait qu'un jour, je ne me rappelle plus, je crois que c'est quelqu'un de Londres, un homme d'affaires de Londres qui n'était pas un chassid, et qui a demandé au rabbi s'il voulait faire des affaires avec lui. Et le rabbi a accepté d'être shoutaf avec ce juif-là. Et il a commencé à vendre des... Et le rabbi lui a donné comme condition qu'il n'agisse pas sans l'accord du rabbi. Puisqu'ils sont shoutaf, alors ça doit être... Toutes les décisions, elles doivent être prises à deux.
Et donc, ils ont décidé de vendre, d'acheter des fourrures. Et donc, il a commencé à acheter. Et à un moment, il s'est dit, bon, peut-être qu'il va falloir commencer à le vendre. Elle demande au rabbi, le rabbi dit non. Et au même moment, le prix de cette fourrure commence à descendre. Alors, il commence à paniquer. Rabbi, ça descend. Rabbi dit, on ne vend pas. Et comme ça, et plus ça va, et ça descend. Le juif, il devient fou. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de faire ça avec le rabbi? J'ai investi tout mon argent. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Un homme de Torah, quel idiot j'ai été. Comment un homme de Torah, il peut savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde du business? Mais quel idiot! Et à chaque fois qu'il demande au rabbi, le rabbi dit, non, tu ne vends pas. Et là, c'était catastrophique. Le cours, il s'est complètement effondré. Il était ruiné. Il s'en voulait comme je ne sais pas quoi, mais il s'était engagé de ne pas vendre sans que le rabbi dise son accord. Et donc, il n'a pas vendu. Après, tout d'un coup, ça commençait à remonter un petit peu. Alors, il a dit au rabbi, vite, il faut vendre, parce qu'au moins qu'on récupère un petit peu, ça commence. Le rabbi dit, on ne vend pas. Après, les actions, elles commencent à remonter. Il arrive à peu près à il aurait remboursé son mise. Le rabbi dit, non, on ne vend pas. Et comme ça, tout d'un coup, ça s'est mis à monter en flèche. Et là, le rabbi lui dit, vend. Il était content, il a dit, oh, mais c'est pas possible, jamais j'aurais pu imaginer. Donc il vient chez le rabbi pour donner la part qui revient au rabbi. Et il dit, rabbi, alors le rabbi lui dit de prendre cet argent et de le donner dans le Beit Rabbah de sa ville. Et le rabbi, il dit au rabbi, on peut faire un autre association. Et le rabbi dit, excuse-moi, mais un associé comme toi, il est très faible, il est très voilà, je veux pas continuer avec toi. Tout ça pour nous expliquer quoi? Que justement, que si on a confiance dans le rabbi, on ne doit pas se dire le rabbi il est là, c'est sûr qu'il est là, il ne peut pas ne pas être là, et que nous on doit faire juste ce qu'il nous dit. Et vraiment, dans le Dvar Malchut, il y a vraiment tous les enseignements pour vivre une vie heureuse, une vie où on est épanoui, ou une vie où on sent qu'on fait quelque chose dans sa vie, une vie qu'on... Donc, il y a vraiment la seule chose qu'on a. Et pourquoi c'est tellement important? Parce que ça nous permet de savoir ce que c'est la Géoula, de permettre de savoir comment faire, quoi faire. Et donc, voilà. Maintenant, on attend vos questions. Et si vous avez quelque chose à dire, d'abord, vérifiez si les micros ils marchent, s'il y a quelque chose à. C'est le silence absolu. Nous entendez? Ouais, on vous entend. Vous m'entendez là? Oui, très bien. C'est rare, oui, si pas vous m'entendez. Ouais. Alors, je voulais vous dire que vraiment, vos études, que ce soit Gisèle et Léa, c'était tellement profond. Et ça m'a donné énormément de réponses à des questions fondamentales que je me posais. Non, vraiment, non, c'était. Alors, il faut savoir. Génial. Que c'est, d'abord, c'est que nous, on n'y est pour rien du tout, on ne fait que transmettre. Et que justement, c'est le fait que quand quelqu'un y cherche une question, le rabbi lui envoie par tous les moyens qu'il veut la réponse. Et donc, au Hachem, c'est juste l'étude qui permet de faire ça, et l'étude est le bitoul. C'est-à-dire, même quand on ne comprend pas, moi, bien sûr, je ne comprends pas bien les mots, il y a des fois, je ne comprends pas, mais je dis, bon, ce n'est pas grave, je lis, après, je comprendrai. Et le rabbi, il l'aide, il est avec nous. Il est avec nous, il nous aide. Il suffit qu'on se pose une question, tac, il nous envoie la réponse. Il faut pas mettre notre TRL comme un quelque chose. Je ne comprends pas, il butait dessus et s'arrêter à ça, ça s'est vu, etc. Le TRL, il doit nous aider à évoluer. C'est vrai, vous avez raison, tu as raison, Léa. Mais je pense quand même qu'il faut un certain courage pour être Shlira du Rabbi et pour justement transmettre tous ces enseignements du Rabbi. C'est une Shliroute que vous avez acceptée et c'est Kolakavot, c'est super. Et ça passe très bien parce qu'on sent que vous le vivez complètement. Vous le vivez complètement. Et ça passe bien. C'est de cœur à cœur, de Etzem Aneshama, Etzem Aneshama. C'est encore la preuve que le rabbi il est Chai Kayam et que c'est lui qui dirige tout. Il suffit de t'accrocher à la locomotive et puis le reste ça se fait tout seul. Et que même le bouton. Voilà. Le rabbi Nautique, il a fait une petite vidéo comme ça et il a dit mais notre, lui il dit carrément qu'avant de dire Modéani, on doit penser que toute notre essence c'est de diffuser, parce que c'est ce qui manque. Que tout le monde soit prêt à recevoir ma chère. C'est pas nous qu'on attend le rabbi, c'est le rabbi qui nous attend. Donc plus on va diffuser, plus les gens ils seront pétris de l'attente de ma chère, et plus ça va se faire vite. Et il a dit que donc avant qu'on dise Modéani,
On doit déjà savoir qu'on est en fonction de diffuser. Et qu'on on peut se poser la question, mais comment je vais diffuser? Peut-être que les gens ils sont pas prêts, peut-être que ça va éloigner des gens, et peut-être que rien que parce que je vais dire le rabbi c'est ma chère, alors tout le monde va partir, et je vais éloigner des gens au lieu de les rapprocher. Le Rav Nautik, il a dit, pas du tout. Si tu fais avec la nekuda de émettre du rabbi, avec le bitoul, avec le rabbi t'a appris A, tu enseignes A, le rabbi te dit que le rabbi dans ses sirot, il dit que c'est lui ma chère. Il ne le dit pas clairement, bien sûr, comme on l'a vu maintes fois, mais je résume, que le rabbi c'est ma chère, tu l'enseignes, rabbi c'est ma chère. Sans mettre ton écoute à dire peut-être au fond de moi, je ne sais pas sûr. Non. Et quand tu l'enseignes comme ça, il a dit pas seulement que tu ne vas pas repousser les gens, mais que le monde entier va t'aider. Même les non-juifs vont venir t'aider. Et comme Gisèle l'a rappelé ça la dernière fois, que le rabbi dans une sira, il a dit, on ne doit pas attendre d'être convaincu pour enseigner. Parce que les autres, ils n'ont pas à souffrir du fait que moi, je ne suis pas convaincue. Je dois propager la parole du rabbi. Peu importe si je suis convaincue ou pas convaincue. Bien sûr que quand je suis convaincue, ça va ajouter. Mais je ne dois pas attendre, parce que sinon, c'est lié, etc. Attends, je ne suis pas encore prête. Attends, je vais attendre encore. Mais on n'a pas le temps. On veut mâcher aujourd'hui. On ne veut pas attendre encore longtemps. Je voulais rajouter à ce que tu dis, Léa, une petite note personnelle. Quand tu dis que, voilà, on doit que prendre à notice qu'il a dit que quand on se lève le matin, la seule nekuda qu'on doit avoir, c'est comment je vais encore diffuser. Je peux vous dire, je témoigne, et Léa aussi, je suis sûre, que jour et nuit, avec cette midrashat qu'on a mis sur notre tête, qu'on doit donner, diffuser, même dans mon sommeil, ma tête elle est connectée sur le Dvar Malchut, et ce qu'on a à dire aujourd'hui, telle date, ce moment-là, voilà, il faut dire ça. On vit avec, surtout par l'étude, ça nous transforme totalement et on vit avec. Et comme tu dis, Rachel, alors on le ressent tellement qu'on le sort avec des paroles et avec la chayout qu'on a intériorisé grâce à ces enseignements et surtout la matara de diffuser pour rapprocher encore plus le dévoilement de la Géla. En plus, il nous a tellement préparé. Il nous dit, par exemple, dans le format de route, il nous dit que chaque date où il y a un événement, chaque année, cette date, elle revient avec tout son enseignement. Ce n'est pas pour rien qu'il a choisi Guimel Tammuz. Guimel Tammuz, c'est tellement un jour de Géoula. Et comme elle a dit Gisèle, et comme le Rav Nautik aussi reprend ça, pour les chassidim à l'époque du Rayat, le Guimel Tammuz, c'était un jour noir, le jour très, très noir. Parce qu'ils arrivaient à influencer plus ou moins, puisqu'on a vu que le décret du Rayat, de la peine de l'opposition à la vie jusqu'à la peine en exil, ça a été transformé parce que le monde entier faisait pression sur le gouvernement russe. Mais quand il partait en exil, on savait à l'époque qu'il suffisait de rien du tout pour qu'il y ait des accidents et que Chasvei Shalom soit tué. Donc ils avaient très 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 peur. Et le Rav Nautik, il dit même dans les mondes supérieurs, on savait pas si ce jour-là ça serait un jour. Le Rabbi, depuis le début, il a dit même que le Rabbi Rayat, il appuyait pas sur le jour de Guimel Tammuz, il appuyait sur le jour de Yud Bet Yud Guimel Tammuz. Mais le Rabbi, depuis le début, il a dit que Guimel Tammuz, c'est Atralat Hageoula. Même si de nos yeux, on voit le contraire, on doit savoir que c'est le début, c'est le début de la montée. Et ça, c'est tout l'enseignement du Rabbi. Et si on voit dans toutes les sirotes, quand il parle de Rosh Chodesh et de la lune, et que la lune, elle on la voit pas, elle on l'absorbe, mais pourtant elle a tout son potentiel. Et d'ailleurs, j'ai même entendu cette semaine, dimanche dernier, il y a eu une éclipse du soleil, et que le soleil représente le monde Goy, et que Davka, c'était dimanche, c'est-à-dire le jour où la lune, elle était invisible, et invisible comme elle était, elle a quand même bouché le soleil. Donc on peut voir la force du peuple juif. C'est pour ça que le Rabbi il nous encourage sans arrêt. Mais si on n'étudie pas, on ne peut pas sentir cette force-là. C'est évident que quand on étudie ça, après, quand on va faire la bracha shakol nidah, on ne va pas la faire de la même manière. Donc c'est pour ça que c'est tellement, tellement important. Ouais, j'ai beaucoup parlé, j'aurais bien aimé vous entendre raconter des histoires. Esther Edéry, qui est en ligne, elle pose une question, elle n'a pas entendu. Qu'est-ce qu'on doit faire le matin quand on se réveille? Le premier réflexe qu'on a après Modéani, c'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour diffuser la Torah, pour rapprocher Mashiach? Non, c'est avant Modéani même. Avant Modéani même, exact. Parce que toute notre essence, ça doit être en mode de diffusion. Parce que c'est ce qui nous manque pour faire venir Mashiach. On est Metsiyut et Yafutsu. Et les autres,
il a dit que, il avait dit dans une, je ne me rappelle pas dans laquelle sira, avant de dire Modéani, on doit penser déjà à la Géoula. Alors, comment concrétiser ça? C'est en diffusant, c'est la seule chose qui nous reste. Et pas avoir peur de recevoir des oppositions. Diffuser, chacun à son niveau, chacun avec ses mots, chacun. C'est ce qui nous manque. Vous avez d'autres questions? Gisèle, Léa, est-ce que je peux vous demander une vacasha personnelle? Qu'est-ce que je veux? Non, je voudrais que vous me fassiez une brara pour que je puisse arriver à diffuser. Parce que, comme me disait il n'y a pas longtemps au Rakaton, il me disait, écoute, tu ne peux pas être une élève toute ta vie, le rabbi veut qu'on soit acteur. Et j'ai un mal fou, même fois on en a parlé, je crois, Léa, j'ai un mal fou. Je sens Yitzhara très fort. Et tu sais, c'est qu'il faut que tu lises, tu lises le Dvar Malkout. Même si tu comprends un mot sur 10, commence à le lire. Sûrement que vous avez un grand potentiel, sinon vous n'aurez pas autant de mal. Bravo, Khaya, c'est vrai. Mais merci, c'est pour ça que c'est pour... La seule solution, c'est de s'asseoir et d'étudier le Dvar Malkout. C'est tout. Oui, même, mais justement, c'est ça le problème. C'est que là, quand même, ça fait maintenant presque 20 ans que j'étudie. Ça suffit. Alors, je veux dire, il y a un moment où, comme le rabbi nous a dit, tu connais l'élève, tu dois enseigner à l'élève. Comme tu as dit, Léa, c'est pas parce qu'on ne comprend pas quelque chose qu'on doit empêcher les autres de comprendre. Enfin, tu vois, et je sens que j'ai un blocage à ce niveau-là et je sais que je dois le faire. Alors, fais-moi une brara, arrête pas de bras. Allez, Dafka, si tu as une difficulté là-dessus, c'est le siman que c'est sur ce point que tu dois travailler. Alors, Akhlata Tova d'aujourd'hui, yalla. On va essayer d'étudier le Dvar Malkout de manière nouvelle, que tu vas trouver à chaque fois un nouveau ridouk qui va te pousser en avant. Zrat Hashem. Amen, Shiatsa. Il faut être bebitoul, bediou, bravo Hana. Il faut être bebitoul, c'est ce qu'on a dit depuis le départ, Bemet. Qui veut rajouter quelque chose, d'autres questions? Juste rajouter une petite écouda aussi, qu'il a dit que très importante, Laurent Ginsburg. Il a dit que Dieu, il crée, dans chaque chose qui sont créées dans le monde, il y a son ADN. Et chaque juif, il a une feuille de route de quel ADN il doit dévoiler. Donc chacun, il a un certain nombre de parcelles à dévoiler. Et que ces parcelles, elles seront dévoilées par personne d'autre. Donc toi, Rachel, tu as tes parcelles aussi à dévoiler. Donc chacune, on reçoit les forces pour dévoiler cet ADN d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et qu'on ne doit pas dire « j'ai pas les forces », ça c'est que, etc. Et que plus tu vas étudier, ça sera tellement vivant chez toi que tu auras envie de… ça va sortir tout seul sans que tu réfléchisses. Amen. Je vous permets de rajouter juste quelque chose, mesdames. Baruch Hashem, vous avez juste le pouvoir d'avoir l'envie de vous poser. C'est vrai qu'il faut être honnête. On n'entend pas. On entend mal, pardon. Oui, tu peux c'est bon, vous m'entendez là? Vous m'entendez? Oui. Ah oui, attendez, parce que je vais prendre d'autres écouteurs. Vous disiez que pour pouvoir, c'est vrai qu'on est gêné de diffuser. Souvent, on a l'impression que on a peur que ce soit mal perçu. On n'a pas toujours une certaine aisance à le faire. C'est bien parce qu'il faut retenir deux choses que vous nous avez dites, c'est d'avoir du émet et d'avoir du bitoul. Je me permets juste de rajouter que, enfin, on a par expérience, quand on a le ratson, et je crois que c'est la troisième chose importante, rien ne résiste à la volonté. Rien ne résiste au ratson. Et je vous assure que des fois, on se lance à l'eau, et ben les dieux et le rabbi nous mettent les paroles dans la bouche. Et même si c'est vrai que je ne suis pas du tout enseignante ni rien, mais le peu que j'étudie dans le Dvar Malkout, et ben finalement, vous ressentez que vous arrivez à capter ce que l'autre, l'interlocuteur, perçoit. Et après, bon, ben voilà, c'est le terrain est prêt, et vous y allez, et vous balancez. c'est ce que je voulais dire, le ratson. C'est exactement ça. Ouais. Il ne faut pas se faire tout un monde de ça. Le rabbi s'est mis de côté pour nous donner, j'ai bien dit de côté, il est là, mais il s'est mis de côté pour que nous, on puisse agir. Parce que tant qu'on n'avait pas compris le message et qu'on pensait que c'était le rabbi qui allait tout faire, alors que toute la Nekuda, c'est que nous, on doit révéler la Géoula. Que la Géoula, elle est venue d'en haut et que maintenant, il manque tout le travail d'en bas. Sans ce travail, puisqu'on a dit que c'est notre travail, c'est le 10, la Géoula, elle ne doit pas arriver. Donc, on doit avoir peur de rien. On veut Mashiach. On se met en mode Mashiach. Et tout exactement. Ça, c'est tout à fait ça. C'est Monique, ça. Comme
comment vous appelez? Et moi, c'est Hélène. Hélène Mayan, ouais, de Paris. Voilà, mais c'est vrai que ce sont trois points vraiment très intéressants à approfondir, parce que le Emet, eh ben, si on prend la vérité, celle qui est diffusée tous les jours sur le Ritat, on la reporte. Le Bitoul, c'est savoir qu'on ne va pas faire les choses par gava, qu'on veut enseigner comme ça, que vraiment on veut transmettre les paroles du Rabbi et les paroles pour faire venir la Géoula. Et la troisième chose, mais je pense que c'est peut-être le Ratson, il faudrait peut-être commencer par le Ratson, parce que c'est peut-être la chose. C'est le premier, Razak, exactement. C'est ce qui donne la motivation à tout le reste. Bravo. Voilà, exactement. Bravo. C'est comme quand on est au bord d'une piscine et qu'on se dit, bon, allez, je me jette à l'eau, ça y est. Et puis après, voilà. Le reste vient. Voilà. D'ailleurs, le Rabbi dit... On va essayer, Bezrat Hashem. Ratson et Oneg, c'est les très important. Mes chers amis, vous m'avez convaincue. J'étais pas venue avec cette question. Qu'elle soit convaincue aussi. Voilà, c'est avec votre Ratson que ça m'a fait venir cette question maintenant. Vous voyez, j'étais pas du tout venue avec cette question au début du cours. Et puis, Baruch Hashem, le fait que vous nous enseigniez des choses avec beaucoup d'annulation de votre part et beaucoup de émettre, parce que vous ne faites que reporter les vraies paroles du Rabbi. Et ben, ça m'a fait penser à cette question. Et elle est sortie toute seule parce que je me suis jetée à l'eau. Voilà. Et je suis contente d'en faire profiter les dames autour de nous qui ressentent un peu la même chose que moi quand on dit qu'on est gêné d'enseigner. Parce que Baruch Hashem, il y a de quoi dire autour de nous. Il suffit, comme vous dites, de prendre là. Si j'ai appris Aleph, alors je répands le Aleph, j'enseigne le Aleph, et etc. Même petite chose. Mais il est important. On ne sait pas quelle importance ça fait dans l'âme de l'autre. Ça réveille son étincelle. Razak. Une goutte d'eau qu'on a jetée dans la mer, ben, ce n'est pas ma petite goutte d'eau qui va agrandir la quantité d'eau de la mer. Mais cette surtout, oui, tout à fait. Et surtout, Gisèle, si ce n'est pas tout de suite, alors on ne sait pas. Le Rabbi nous dit toujours, ce n'est pas à nous de finir le travail. Une parole qui est lancée avec notre cœur, avec annulation et surtout avec de la volonté, même si elle ne résonne pas aujourd'hui, alors peut-être que l'effet se fera un jour où la personne sera dans la difficulté. On se rappellera. Voilà. On a nous-mêmes vécu. Exactement. Razak. Exactement. Non, c'est bon. Ok. Qui d'autre? Voilà. Ben, c'était un jour de grand réveil pour chacune de nous. On a pris des Baruch Hashem. Mutuellement. C'est sûr, de toute manière, que même avec on a tous la même vérité, mais on n'a pas tous la même sensibilité ni la même manière d'apporter des choses. Et chacune avec les personnes qu'elle a autour d'elle, elle les a autour d'elle parce qu'elle elle est celle qui va être avec les deux. Elle n'a pas de micro. La bonne personne pour arriver à parler à ces personnes-là. Donc, même si on a la même... Même si on a tous la même source, on ne capte pas tous les mêmes choses et pas de la même manière. Chacune, elle a sa touche à apporter. Et à partir du moment où on a conscience que les forces qu'on a, ce n'est pas les nôtres, et que c'est les forces du Rabbi qui l'a mis, et la Kadosh Baruch Hu qui l'a mis en nous, alors ça, c'est illimité et on doit avoir peur de rien. Exactement. Azak ou Baruch. Vous êtes génial, femme. Vous êtes génial, tout. Vous êtes super. Parce qu'on boit tout à la même source. On vous remercie. Hein. On vous remercie de tout cœur, Gisèle, Léa. Je remercie aussi toutes les femmes qui m'ont fait bouger un petit peu. Là. J'ai l'impression que ça va bouger là, avec un petit peu de volonté, de Bitoul et de l'aide du Rabbi. Alors, commencez une petite Nehouda aujourd'hui, même une phrase, deux phrases, trois phrases. Commencez pour que vous avez commencé quelque chose. Et puis, si déjà dans un premier temps c'est difficile pour vous de parler, diffusez tout ce qu'on voit. C'est Razak, facile. Razak. Un petit clic de ce qu'on envoie. Oui, c'est vrai. Anna, tu voulais parler, active ton micro, appuie sur le micro, c'est pas possible, le tien il marche pas. Hana, elle a rajouté que l'Aïkar, c'est de sortir de ses limites. C'est exactement ce que le Rabbi dit dans la Sita. Et en sortant de ses limites, on dévoile des forces à soupçonner qu'on a à l'intérieur de nous. Elle a rajouté ça aussi. On dévoile des forces autres que celles qu'Hachem, il a mis dans le monde. C'est fou de penser ça. C'est vraiment... Donc, voilà. C'est ce que j'ai rapporté tout à l'heure de la Sita du Rabbi de Korach, Memchet.
que le rabbi dit, quand on regarde un autre juif, on ne doit pas regarder ce qu'on voit avec nos yeux sur lui, qu'il est shomer mitzvot ou pas. On doit regarder son intérieur, les forces qui sont cachées à l'intérieur de lui, et l'aider juste lui à trouver le chemin par lequel il va pouvoir dévoiler ses forces et bien sûr par la suite faire tshuva, se rapprocher de Dieu et aussi illuminer son entourage avec les forces qu'il a pu dévoiler grâce à la situation dans laquelle il est passé. Mais nous, notre regard sur lui, il doit être toujours un regard positif, de regarder la beauté de son âme. Et vraiment, vous êtes toutes magnifiques. Mais regardez, il nous aime que Dafka, aujourd'hui, on a le srout Gimel Tamouz de faire une badoute et de parler ensemble. Et vraiment un srout extraordinaire. Mais c'est vrai, c'est vrai. Le truc, c'est que c'est pas quand on va essayer, c'est pas avec le Sehel. C'est pas qu'on va faire tout un raisonnement, tout un plan. Alors je vais lui dire ça, il faut que je lui dise ça, et comme ça, et comme ça. C'est juste en étant une dougma chaya, un exemple, et de parler avec son cœur comme on est nous-mêmes. Et comme vous l'avez dit, c'est ça qui marche ici, alors c'est ça qui marche avec tout le monde. Parce que on dévoile notre mini-youth, chacune. Parce que c'est exactement là. Vous avez mis dans le droit, c'est pas pour rien. Moi, encore cette semaine, j'ai ouvert Igrot Kodesh et le rabbi il m'a dit. Vous vous plaignez dans l'endroit où vous êtes, que les gens ils sont pas réceptifs à votre message, mais que Dafka, il faut intensifier les péoulotes et que justement quand on parle avec son corps, ça pénètre dans le. Il faut augmenter dans les péoulotes pour que ça influence plus. C'est-à-dire celui qui se dit ben moi j'arrive pas, je suis désolé, j'arrive pas, je baisse les bras. Non, il y a pas. Hachem Itamila, c'est que là l'endroit où tu es, c'est toi qui l'as choisi. Et je vous dis encore. Vous pouvez imaginer comment je peux influencer les gens dans mon entourage. Mais le rabbi m'a mis là, alors on essaye de faire ce qu'on peut. C'est tout. Il n'y a pas, y a pas de logique. On pourrait se dire, non, quelqu'un de grand dans la Torah, il viendrait ici, il pourrait parler. Non, Akadosh Baruch Hu, il t'a choisi toi, c'est tout. Parce que toi, tu as les forces pour ça. C'est pareil pour chacune. Le peu que vous avez entendu, et ben c'est fait pour diffuser aussi autour de vous et recharger les batteries pour avoir justement la force de. Exactement. Puisqu'on boit, on boit tout à la même source. Exactement. Waouh. Hana, tu vas nous dire un mot. Je suis sortie de mon bureau là parce que j'ai pas ni de micro ni de vidéo dans le. De Clita. J'ai pas le temps là de dire un mot. Je suis sortie juste deux minutes, mais c'est juste que je voulais réagir sur ce qu'elle a dit. C'est Rachel. Ouais. Non. Rachel. Oui, c'est ça. Sur la difficulté à transmettre, Ken. Ouais. Oui, tout à fait. Alors justement, moi, je voulais dire que je me retrouve aussi complètement dans ce matzav. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand il s'agit de transmettre. J'ai beaucoup, beaucoup de mal. Pas parce que je ne suis pas convaincue, je suis convaincue jusqu'au fond des tripes, mais j'ai toujours aussi beaucoup, beaucoup d'appréhension avant. Et comme j'ai marqué tout à l'heure, c'est vrai que ce que j'ai testé sur moi, le moyen d'y arriver, c'est ma marche d'être baby tool, de dire que de toutes les façons, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un tsinor, je ne suis qu'un moyen de véhiculer un conduit pour faire passer. Et qu'on s'annule complètement et on demande au rabbi qu'on soit la bouche du rabbi, que le rabbi parle à travers nous. C'est pas nous qui parlons, c'est le rabbi, et le rabbi, il agit. Et maman, je l'ai vu de mes yeux. À chaque fois que j'ai fait ce travail, parce que le Yetzer Hara, il est gros. Il nous dit toujours, mais il nous met des doutes sur nos capacités, etc., pour nous empêcher. Parce que Dafka, comme elle a dit, Léa, on a tellement on a des forces tellement, tellement, tellement élevées, qu'en mesure des forces élevées qu'on a, alors le côté opposé, il met aussi toutes ses forces pour nous empêcher de les dévoiler. Mais quand on est maman, je baby tool, et qu'on se dit, moi, je ne suis rien. Moi, je suis que un Kelly. Je suis que pour faire passer les mots du rabbi. À ce moment-là, maman, c'est le rabbi qui ouvre la bouche. C'est le rabbi qui agit. Et non seulement qu'on va réussir à toucher, mais en plus de ça, ce que nous, on va recevoir en échange de la petite contribution qu'on va apporter, ça n'a rien à voir. C'est complètement disproportionné la récompense qu'Akadosh Baruch Hu il nous donne par rapport au petit effort qu'il nous demande de fournir. C'est comme Akadosh Baruch Hu il demande juste d'ouvrir comme la pointe d'une aiguille. On a juste un pas à faire. Il faut déjà ça part d'une achlata.
de la décision, ferme décision qu'on va le faire. OK? On va le faire. Ce qu'on a, on va transmettre. On est là, on a un tafkid, comme là, elle a dit. Personne d'autre ne peut faire à notre place. Chacun, il a un tafkid meyouhad, que même s'il y a des personnes beaucoup plus expérimentées autour de nous, beaucoup plus chachamot, l'homme est chané. Là où on est, on a chacun notre part de travail. On a notre jardin qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, qu'on doit arroser, qu'on doit prendre soin, OK? Et personne ne peut faire ce travail à notre place. Donc déjà, ça ne nous décharge pas de notre responsabilité. On a tous une achariut, on a tous une responsabilité. On ne peut pas fuir de cette responsabilité. Et l'homme est chané où on va aller, on sera toujours confronté dans la même situation tant qu'on n'aura pas fait ce que Kadosh Baruch Hu il attend de nous. Dans n'importe quel matzav, dans n'importe quel endroit, Kadosh Baruch Hu va nous remettre toujours dans la même position où c'est le même effort qui est demandé de nous. Le même tikkun, le même travail. Tant qu'on n'a pas fait ce travail, on n'y échappera pas, je veux dire, on sera confronté toujours au même matzav. Et quand on va accepter, déjà, on va accepter, se dire que si Hachemi m'a donné cette mission, c'est qu'il m'a donné aussi les forces pour y arriver, et qu'on est baby tool, et qu'on accepte, à ce moment-là, on dévoile, et Baruch Hachem, et on y arrive, et c'est ce que le Rabbi attend de nous. Il attend, maman, de nous que on finit, le monde, il est prêt à la Géoula. Comme elles ont dit, la seule chose qui reste à faire, c'est de diffuser. Tout est prêt, le travail, il est fini. Maintenant, c'est ridicule ce qu'il nous reste à faire. C'est vraiment un petit pas. Faut sortir de ses limites, se dire que c'est où Enzman. D'abord, on veut plus attendre, c'est fini. On veut plus attendre. Il y a Enzman. Chacun, il doit sortir de ses limites. Il doit pas avoir peur, pas se impressionner. On veut tous la Géoula. Le monde entier veut la Géoula. Et quand on vient avec cette Nekudat à Emet, eh ben, tout le monde est avec nous. Tout le monde est avec nous et tout le monde nous rejoint. Juste pour vous raconter une petite anecdote, vraiment, mais en tout cas. On a fait au Mahon, je travaille dans un Mahon avec des enfants qui ont 3 ans. On a fait une Idvadout ce matin. Et j'ai dit aux enfants, on veut tous Mashiach, on veut tous la Géoula. Alors, il y a un petit me regarde, il me dit, non, Annie Lorotet à Géoula. Je lui dis, ah bon, tu veux pas la Géoula, pourquoi? Il me dit, Annie Lorotet à Rabbi. Alors, il dit, bah, justement, dans la Géoula, on va voir le Rabbi. Il me dit, Annie Lorotet à Rabbi, Lorotet à Géoula. Il savait pas que c'était la Géoula. On veut le Rabbi. Alors, Ezrat Hachem, on est déjà en train de vivre ces instants-là, je peux vous le dire, de mon expérience personnelle. Je sens que Kadosh Baruch Hu, il nous distribue des cadeaux. Il nous distribue des matanotes. Et on est déjà dans le Zman à Géoula. Et il faut juste qu'on change notre regard sur le monde et qu'on accepte, qu'on ouvre les bras, qu'on accepte de recevoir. Et on va voir vivre pleinement la Géoula. Parce que voilà, le Rabbi a déjà fini tout le travail. Et Bezrat Hachem, on ne veut plus attendre. Que ce soit maintenant. Miyad Mamash. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci, Rana. Rana, j'ai du mal. Rana, j'ai du mal à imaginer que tu as du mal à diffuser parce que tu parles tellement bien. Je vais te donner un tip. Si vraiment, vraiment, tu as du mal à ne pas abuser, par contre. Il faut faire un petit lechaïm avant. Ça aide. Un petit lechaïm, ça aide à faire des lignes. Okay, alors je vous laisse et bravo Kol HaKavod, Bezrat Hachem, et merci beaucoup, je retourne au travail. Merci à toi Hana, Kol HaKavod, merci. Voilà, Bezrat Hachem, chacune elle peut transmettre dans sa famille autour d'elle, et voilà, Bezrat Hachem. Et que... alors on dit les psukim peut-être ou pas? Ouais. Oui, bien sûr, on ne va pas changer nos habitudes. Et si vous pouvez ouvrir Egot Kodesh, oui. Chaya Sultana, elle est en ligne, Sultana? Je l'ai vue tout à l'heure, maman, là. J'aurais voulu qu'elle nous dise un mot. Mais bon. Madame Chimal. Oui, ah, bonjour Esther, ça va? Ah, c'est toi, Esther Ederi? Oui, ouais, j'avais pas capté. Exact. Ah, super, tu vas bien? Bah, tu vas bien? Bah, t'es à Paris? On attend la Géoula, aujourd'hui! Amen, amen, amen. Amen. Torotorot. Son fils, oui, son fils. Allez, merci beaucoup. Besorotorot. Amen, amen. Tu es à Paris, Esther, ou tu es où? J'habite à Paris, mais avant j'habitais à Marseille, maintenant, parce que mon mari est de Marseille, maintenant j'habite à Paris. Ah, Baruch Hashem, je suis contente pour toi. Besorotorot, maman. Oh, que vous arrivez, tous ceux qui sont en France, qui viennent très, très, très vite nous rejoindre. Là, voilà. Amen, amen. Dès que les aéroports ils ouvrent, il faut monter dans le premier avion.
Comme mais ça, on avance le processus de Kibbutz Galouyot. On avance le Kibbutz le retour de tous les Juifs exilés aux quatre coins de la terre. Ça avancera à Géoula aussi. Amen. Il y a un moment pour chaque enfant. Qui c'est qui veut commencer? Raya, tu veux commencer? Ok. Allez, vas-y. Alors, tu veux ouvrir, Léa? Ah oui, c'est vrai. Alors, mes attachés, on va... Ah, attends. À moins que vous ayez encore d'autres questions, mais sinon, on va ouvrir les grottes Kodesh déjà. Alors, on demande une bracha au Rabbi qui nous bénisse à toutes, dans tous nos besoins, et qu'on on arrive à faire le ça. Et que... On arrive à faire notre mission. Voilà, Bezrat Hashem. Et qu'on arrive au but. Amen. 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 Pour, je voulais juste dire avant que toutes les personnes qui sont rentrées plus tard dans le groupe, le shiur, il est enregistré, vous pourrez le retrouver sur la live. Marat Geoula Cohen. Amen. T'entends? C'est adresse à Marat Geoula Cohen. Ah, Madame Geoula Cohen. Chafret Tamouz. Wow. Attends, je vais la chercher en français parce que c'est toujours un problème pour moi. Ça ne vous dérange pas? Alors, c'est elle n'y est pas là-bas. C'est la lettre 9000. Tête, Tav, ça dit que elle n'est pas en, je l'ai pas en le numéro français. Le numéro Léa, c'est quoi le numéro de la lettre? Alors, c'est quel tome, c'est quoi le relais? Je vais la retrouver moi sur mon application si vous voulez, donnez-moi juste le numéro de la lettre. Dis-moi le livre, je vais chercher Léa. Voilà. 25, c'est le tome 25 et la page Kouf Noun Bav. Non, mais dans l'application il y a pas je vais prendre une photo et je vais la mettre sur le truc comme ça tout le monde voit. Deux petites minutes. Alors, je vais vous la remettre. Là, voilà. Géoula Cohen. Bracha ouais. V'shalom. Je le dis. Sur le groupe de WhatsApp, oui, on va l'envoyer aussi. Dans quel est le numéro en français? Voilà, je vous l'ai mis. Oui. Kevan Shelo Shamati. En hébreu ou en français? Tu l'as en français? Non, je l'ai en hébreu. Ah, parce qu'en français.
Moi, je peux l'avoir en français. Moi, je peux l'avoir en français, mais il faut me donner le numéro de la lettre. Allez-y. Je vais tout de suite. C'est quoi le numéro français? 9000, combien la lettre? 9496. Combien, pardon? Oui. 9496. Comment tu fais? Moi, ça s'arrête à 9000. Je ne peux pas avoir celles qui sont après. Non, mais dans les livres. Dans les livres. Ah, d'accord. Bon, bah, vas-y, lis, Gisèle. Ah oui, non, elle n'est pas dans la base de données, là, sur le téléphone. Ça s'arrête à 9000. Exactement. Ah, je l'ai. Très bien. Ah non. T'es sûre que c'est pas 496? C'est marrant parce que je suis tombée sur aux participantes à la 13e convention annuelle des jeunes filles. Rabat, bon, mais c'est pas ça. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Vas-y, lis Gisèle. Alors, Marat Geoula Cohen, chez Tirié, Bracha de Shalom. Puis, Kevan Shelo Shamati Mimena Kolaet, Sipiti Leitmale Lirtov Elea, Ve Nizdam Naayom, Begedia, Migilayon Amodiim Shel Yata. Je sais pas ce que c'est. Umatsabo Keta Mimeno, Ashertochena Yedia, Mishtayer Leikar Ainyan Shedibarnuala, Vegam Ratiti Tra Mimena Hadashat Badava, Ainu, Ailuda, Beeret Akodesh, ולא אכפול כאן הדברים כי תקוותי חזקה אשר רשומים הם בזיכרונה. רבי סדרס עשית מדם כהן, אלו ידי כשפה המומן כי לפה אנטנדו דה סנובל, אלו אטנדה כאלו אקרי, וכאום אלו אפה אקרי, דונק סלוי כי הדסידי, כי סגן אנגזי אלו אקרי, אלו פרופיטי דלוקזיון פרופיטי סבואר כאוז'ורדוי פרו a été imprimé un journal qui s'appelle Yata, dans lequel il y a un article qui concerne un des points sur lequel il a parlé avec cette femme. Peut-être que c'était une femme qui est active à ce niveau-là. Et il voulait c'est une députée. Elle était députée à la Knesset. Ah, députée à la Knesset? Ah ben, ouais, d'accord. Ah, ok. Alors, très bien, ça explique la suite de la lettre. Et le rabbi, il veut profiter donc de son influence pour qu'elle insiste et qu'elle agisse sur le problème de la natalité des femmes juives en Eretz HaKodesh. C'est sûrement l'année où le rabbi il a beaucoup insisté sur le fait que les femmes elles devaient pas prendre la contraception et qu'elles devaient laisser les choses naturellement, qu'au contraire les femmes juives aient toutes les enfants qu'Akadosh Baruch Hu veut leur donner. Et il dit qu'il ne va pas s'allonger sur ce sujet parce qu'elle se rappelle certainement de la discussion qu'ils avaient déjà eue là-dessus. Le Ren Metzaref Ineni Basé, Aetek Mirtav Mirofe Eret Israeli, Asherofi Abeiton Arefoa, Asher Gam Le Mirtav Zé Shaïret Aignan. Et il joint avec ça une lettre d'un docteur israélien qui a écrit dans un journal qui s'appelle Refoua par rapport à ce sujet aussi. Et il demande donc à cette femme d'intervenir sûrement. Veyir Hatson. À cher Peulata basé, et que Dieu fasse que par son action sur ce point-là, que tous les efforts qu'elle va faire dans ce domaine. Pas cher, c'est ça. Le rabbi nous demande de tout. Exactement. Qui se rajoute à toutes les actions que chacun s'efforce sur le terrain de faire dans le Kivun Aratsu, dans le domaine. Dans la bonne direction, dans la direction qui convient, et que de tous ces efforts, de tous les Nishtadlim, ta vie, toute sa haute tovot, qui sortent des conséquences, des fruits positifs de leurs actions, ou me matadim, qui maximalim, que non seulement on obtienne les résultats de nos efforts, par tous les efforts qu'on fait dans ce sens de diffuser les mitzvot, de diffuser la Geoula, et que le résultat de nos efforts, il soit dans une dimension maximale, qu'on arrive vraiment à la main haute à réaliser, avoir le fruit de tous nos efforts. Et le rabbi précise qu'il s'intéresse également à tous les autres sujets dont il a parlé, pas forcément le inyan de la natalité. Le rôle à Pérouse basé, Yeshuvah, et tout ce qu'on pourra lui donner comme compte rendu de toutes nos actions, et ce sera Yeshuvah pour lui apprécier. Bibracha lipsorot tovot, vetoda merosh alze,
et qu'il dit, il nous remercie pour les bonnes nouvelles qu'on a transmises. Il nous remercie à l'avance de lui raconter les résultats de toutes nos payoulottes. Waouh! Hazak, c'était vraiment le sujet d'aujourd'hui. Bah moi, je vois quand même le rapport parce que depuis tout à l'heure, on a dit l'importance que chacun il donne des fruits de lui-même. Et oui. Bien sûr, c'est ça. Ah, il y a la lettre qui est juste à côté sur l'autre page, elle est intéressante aussi. Elle s'adresse à un monsieur Chaim Zohar, Rosh Chodesh Menachem Av, 1968. Shalom Ouvracha, il a reçu de ses nouvelles, il a reçu sa lettre dans les semaines, juste maintenant, il vient de voir ses nouvelles. Il a su qu'il est venu à New York et qu'il est rentré en Eretz HaKodesh. Et il le bénit en lui disant qu'il souhaite et qu'il a l'espoir de tout son cœur que le fait qu'il a fait son alia en Eretz Israël, ça soit aussi une alia dans ses actions, dans les Nanim Tsiburim, dans les préoccupations communautaires. Ça veut dire que cette alia, quand elle est juive, il fait son alia, elle doit être essentiellement concentrée. Bien sûr, on est sur la Terre Sainte, mais notre but, c'est sur la Terre Sainte de continuer à agir, à diffuser la Torah autour de lui. Zotom Eret, alia, c'est aussi une alia spirituelle. Ce n'est pas que l'alia physique des juifs qui arrivent de Chutz Laaretz, mais c'est aussi une alia spirituelle. Et dans cette alia spirituelle, il doit faire de Chol, Tatal, Uibo, tout ce qui est en son pouvoir. Le Hashpia Bisivatu Akroba Vegam Rechoka. Il doit faire tout ce qui est dans son pouvoir pour influencer son entourage proche et son entourage même éloigné. Même éloigné. Merci beaucoup. Rachel. Ah, c'est trop fort. Merci, Rami. C'est trop fort. Et c'est quoi cet alia? Alia Bederech Haole Bet Kel, une alia qui nous conduit à la maison de Dieu, au Bet Amikdash, et à vivre Chaim Alpi Toratenu, à vivre une vie de Torah selon notre Torah qui est Torah Chaim ou Mitzvotea Aleem Neemar Lechai Baem. Que tout ce qu'on a appris aujourd'hui, qu'on influence autour de nous, c'est moi, hein, et pour qu'on arrive enfin au troisième Bet Amikdash et que notre vie actuelle, elle soit basée sur la Torah. Torah Trahim, c'est la Torah qui nous donne la vie, les mitzvot qui nous donnent la vie et que Bémet, chacune de nous, elle le vit pleinement. C'est la Torah qui nous donne la vie, c'est les enseignements du Rabbi qui nous donnent toute notre ayout. Bechavod ou Bevracha, l'Ibsorot Tovot. Wow, amen, amen, Toda Rabbi. Amen. Et où là? Vraiment. Alors, c'est le Rabbi, il a mis chacune, à mon avis. Il a donné la responsabilité à chacune maintenant d'agir un petit peu. C'est vraiment impressionnant. Mais ce qui a écrit Esther, qu'on n'arrive pas à influencer la famille, c'est tout à fait normal. C'est beaucoup plus difficile. Et je vais te dire, moi, chaque fois que je pose des questions pour mes problèmes personnels, le rabbi me parle toujours de la fatsa, qu'en m'occupant des autres, ça va, en donnant à la communauté, en aidant mais les juifs de mon entourage, pas forcément les membres de ma famille, ça va aussi résoudre mes préoccupations personnelles. Ça a une influence indirecte sur chacun des membres de la famille. Donc, si on se renforce dans Torah et Mitzvot, d'amener la lumière de la Torah à un autre juif, et pour ce qui nous concerne maintenant, d'amener la lumière de la Géoula, que c'est imminent à chacun qui est autour de nous, petit à petit, même les membres de notre famille, ils seront éclairés, entre guillemets, de ce message qu'on leur transmet. Et encore, non seulement c'est exactement ce que le rabbi répond toujours ça, mais le fait que nous-mêmes on va être éclairés du message et qu'on va le vivre pleinement, même si on n'en parle pas dans notre famille, ça a un impact. Même qu'on le veut, on fasse un impact. Il y a une toute petite lettre en bas de la page, si tu veux la lire, Gisèle. C'est vraiment sur le. Sur la... Attends, couf. J'ai fermé la couf nun zaïn. C'est une toute petite lettre. C'est une petite lettre. Oui, elle n'est pas longue. Alors, aussi Rosh Chodesh Menachem Av, Asher Inani Kibal Kimirtavo. Le rabbi, il dit qu'il a reçu la lettre. Ben maintenant, Bimé Chodesh Menachem Av, quand on se tient maintenant dans le mois de Av, Yoyeratson, Asher Avinu Shelashamaim, c'est une fila. Que Dieu fasse que notre Père qui est au ciel, Avarachaman de Avarachamim, qui est un Père miséricordieux, qui est miséricordieux et un Père de miséricorde, Yenachem et Amo Israël, qu'il console
son peuple, ou que Aftachat Chazal, Nechama Beklapayim, et que la console, comme disent nos sages, que cette consolation soit double. Hein? Oui, cette consolation soit double. C'est la consolation sur la destruction des deux Batimigdash. Et que donc, Akadosh Baruch Hu, il est pitié de nous et qu'il nous reconstruise le troisième Batimigdash, Klapayim le Tushia, Veyadoua, Asher Klapayim, Elou, Enan Shtepamim Kacha, qui im Shelo Berer. Et c'est deux fois, c'est pas deux mêmes fois. Chacune, elle a une dimension plus haute, plus élevée. Ou Bekarov Mamash, et très prochainement, Gladida Narchav, Yafohu Yamimelou, que ces jours-là se transforment en jours de Sasson de Simcha, ou le Moadim Tovim, comme on a mentionné tout à l'heure dans ce que j'ai dit, que ces jours-là se transforment en jours de Ben Namsarim, qui se transforment en jours de Sasson de Simcha et de Yom Tov. Bigeula Tenua, Mitis de Hashlema, Aliudé Machiar, Tsitkenu. Par la qui viendra grâce à Machiar Tsitkenu. Ma Mashtodarabi. Ouh, j'ai la chair de poule. Comme le Rabbi dit dans le 4 aussi, que quand il fait le Shabbat, c'était le 10 Tamouz, il dit donc par ce Shabbat, la force du 7 et du 10 ensemble, ça fait top, et que ça nous donne la force de transformer et de retourner les jours de deuil en jours de joie, comme elle avait dit Jésus. Voilà, donc Baruch Hashem, sur tous les sujets, il a répondu, il a donné des brachot à tout le monde pour diffuser et aussi. Il attend le compte-rendu de ce que chacune des efforts que chacune va faire, même un petit effort. Écrivez au Rabbi pour dire le petit effort que vous avez fait, et la semaine prochaine, Bezrat Hashem, vous nous raconterez les fruits et les résultats de chacune des actions qu'on aura pris. Très bien, oui. Bezrat Hashem. Chazak. Merci de nous encourager. Il n'y a pas longtemps, j'avais vu une lettre aussi où le Rabbi disait que dans un groupe, même si on fait un compte rendu de groupe, chacun, il doit aussi apporter son compte-rendu personnel. Et sa personnel, si on peut dire. Alors, c'est sûr que ça, c'est un truc. Moi, par contre, j'ai du mal à être régulière, à écrire au Rabbi. Alors, Bézrat Hachem, j'espère que c'est de mal. Non, aujourd'hui, c'est pas un jour de Sgoula pour écrire, parce que c'est vraiment un jour de grande lumière. Alors, bravo. Alors, c'est Achlatatova, Raya. Ouais. Tu sais, quand Israël, il y a des femmes qui se fixent une fois par semaine, elles écrivent au Rabbi. Qu'elle pour être en kécher avec le rabbi, pour sentir le kécher avec le rabbi. Moi, je ne fais pas une fois par semaine. Quand j'ai envie, j'ouvre le rabbi, aide-moi, rabbi, guide-moi. Et voilà, même si ça n'a pas de rapport avec mon problème du moment, eh ben, je tire un enseignement de ce que le rabbi, j'ai lu dans cette lettre aujourd'hui, et ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de force. Ben, moi aussi, c'est comme ça, mais maintenant, depuis quelques jours, j'ai essayé de commencer, j'ai dit. C'est sûr qu'on demande au rabbi de l'aide quand on a besoin, mais le rabbi, il a aussi besoin de nos bonnes nouvelles. Bravo. Alors, j'essaie que chaque fois que je fais une Péoula Tova sur le moment, ou avant de la faire et après la faire, ou après, j'essaie de transmettre au rabbi. J'ai fait ça depuis 2 jours. J'espère que je vais arriver à tenir. C'est vrai, quand on écrit, c'est pour faire un cadeau pour raconter au rabbi les bonnes nouvelles. Qu'on n'ait que des bonnes nouvelles à partager. Amen. À commencer par la bonne nouvelle de la Géoula Mythique. Amen, Yad Mamash. Amen. Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom, Mevora. Merci beaucoup. Merci, mesdames, merci. Kola Kavod, à vous. À bientôt, à vous, Shalom, reconstruite. Toda Rabba. Avec l'aura bien la tête. Amen. 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 Sultana, tu ne veux pas nous dire un petit mot? Non, ça y est, elle n'est plus là. Ok. Atzlacha. Chag Sameach. Chag Sameach. Bon, ben, j'arrête, non. Shalom uvracha. C'est normal qu'on ait toujours du mal à se quitter. Shabbat shalom. Dans les choses. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Qui a parlé, là? Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'on fait Tachanoun? Je crois que tout à l'heure, tu as dit chacun selon son ressenti. Non, mais ça, mes chéris, on doit faire, on ne fait pas, je crois. Si on sent que c'est un jour, Géoula. Demande à Gisèle, on fait ou on ne fait pas, toi? C'est à toi que je demande. À moi, tu demandes? Alors, je te réponds, le rabbin a dit.
C'est Louis Bergesh, après tout ce qu'on a expliqué. Nous, on vous a expliqué le Minyan de Gimel Tammuz, un jour de début de la Géoula. Donc, moi, je ne dis pas Tachanoun, parce que c'est à train de la Géoula. On est dans la Simra de la Géoula. On est dans le train de la Géoula, attaché à la locomotive, bien comme il faut. Moi, je ne dis pas Tachanoun, non. Ah ben, est-ce que je dis à mon mari? Mais bon, voilà, c'est confirmé. Voilà, c'est bien. Voilà. Hurra pour tout le monde. Ceux qui croient que le rabbi n'est plus là, alors ils disent Tachanoun, parce que c'est un jour de Iloula. Ah mais non, nous, on va pas moi, le rabbi, il est là. Alors, je ne vais pas faire. D'accord. Alors, tu ne fais pas Tachanoun. Voilà, je prends sur moi. Voilà. Ah. Et si je me trompe, alors le rabbi viendra nous remercier. Il viendra nous remercier. On ne se trompe pas. Il voit que nous, on le vit comme un jour de fête, alors il va nous le donner comme un jour de fête concrètement. Amen. 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 Le Chaim, le Chaim, le Libracha. Hazak. Shabbat Shalom, Evora. Shabbat Shalom. Au revoir, mesdames. Au revoir. Sur la Midrasha, vous cliquez, vous diffusez autour de vous. Et même pour le Shiur, la semaine prochaine, il faut qu'on soit encore plus nombreuses. Bezrat Hashem. Alors, qu'est-ce que ça se passe? Et il y a aussi maintenant, on essaie de diffuser sur Facebook, sur, comment s'appelle l'autre YouTube, et l'autre, Instagram, c'est pas toujours tout mon truc, je sais pas comment ça marche vraiment, mais on essaye de diffuser. Alors, chacune, elle doit diffuser, voilà. On essaye de faire ce que le rabbi nous demande. Bisous à toutes, à ta chaîne, que des bras pour tout le monde, à tout à l'heure. Shabbat shalom, Shabbat shalom, et à bientôt, Beth Amidash, aujourd'hui même. Amen. Chazak, chazak. Shabbat shalom. Shabbat shalom.